Et salut tout le monde, c'est Itara Gaillan pour une deuxième session ce soir. Je suis toujours aussi KO, hein, que les choses soient claires. Je me demande même si j'ai... Non, ça va, ça s'est fait. Je vais préparer les volumes. Je vais lancer l'Appetite Music de Rising Star. Et puis on va pouvoir commencer à faire mumuse sur... Les petites billes, tiens, je trouve pas. Ah oui, parce qu'il fait pas de son. Rising star. Comme ça, c'est mieux. Les choses qui doivent être faites sont faites. Alors, je me mets en vue pour The Game. Et le jeu est lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les gens nous arrivent. Par dizaines, par centaines ou par milliers. Salut Crouton, bon retour parmi nous. Je te présente un jeu qui s'appelle Marbles on Stream. L'avantage à ce jeu-là, c'est qu'il n'est pas payant, il n'y a rien à installer, il n'y a qu'à taper point d'exclamation play quand je le dirai. Et les gens pourront à loisir... participer au jeu et s'amuser avec. Voilà. Alors il suffit d'attendre d'avoir quelques personnes quand même pour venir. Flo, t'es dispo ou t'es pas dispo? Elle a l'air dispo. Alors moi ce que je propose c'est de commencer déjà une map ou deux et puis voir les gens arriver petit à petit. Voilà. J'en ai besoin pour me rafraîchir la tête. On va commencer par Endurance Test. Donc une partie comme ça en vitesse. En attendant qu'il y ait plus de billes. Race, je vous propose d'appuyer sur point d'exclamation play pour le moment. Alors c'est vrai que normalement le dimanche soir moi je regarde une émission de Juxta en anglais, mais aujourd'hui comme je me sens un petit peu KO, j'ai un petit peu l'impression d'avoir besoin de faire ce stream histoire de vider ma tête et de repartir en bon état demain pour continuer le déménagement en fait. Alors il nous reste 25 secondes avant le début de la course. Et je souhaite une bonne chance à tous les participants, à Crouton, à Ita et à Florence. En plus on est bientôt le nouveau niveau du Marble. Donc on aura des points à distribuer dans les billes, dans les settings, histoire d'avoir de plus en plus de choix. Et c'est parti pour le premier vortex. Donc Croton, comme ça tu sais, c'est vraiment le hasard qui va désigner le vainqueur. Ce qui est rigolo en fait dans ce genre de jeu, c'est de regarder la course et de participer à la discussion avec le streamer. Donc dans le live, il faut, dans le chat, il faut pas hésiter à poser des questions, à jouer les cartes qui ne sont pas Fortnite bien sûr, mais toutes les autres sont jouables. Poser des questions, s'amuser, parler, faire des blagues, la totale. Ou alors comme le fait de temps en temps Baxter, s'amuser en... Comment dirais-je? En dansant sur sa chaise en fait avec la musique qui passe derrière qui a été réalisée par des musiciens indépendants et qui nous ont donné le droit de streamer leur son sans avoir à payer quoi que ce soit, c'est fort sympa. Alors en tête nous avons Florence Boons qui va faire le premier virage à 360. Crouton et Itira suivent tous les deux au milieu aussi, donc Florence garde sa pole position pour le moment. Mais elle arrive dans le premier mixeur. Bim. Et c'est là qu'en général les choses se corsent. Parce que du coup, voilà, hop là, il y a un petit ange là, plutôt démoniaque, qui est passé devant. On reste quand même sur Flo un petit moment. À la fin du tourbillon infernal, on saura qui est premier pour de vrai à ce niveau de la course. Ça m'a tout l'air d'être Itara. Le voilà, le Itara.
Mais bon, il n'y a pas de mérite à gagner une course quand on est trois. Allez, passe à travers le trou, toi. Wow! Oh, Crouton est premier, dis donc! Et c'est bien parti pour qu'il garde sa pole position en plus, hein. N'hésitez pas, si vous rejoignez le live, vous faites un petit coucou pour saluer les gens. Et après, vous pouvez évidemment appuyer sur Play. Du coup, le premier, bah, il arrivera en dernier lieu. GG Crouton, Florence et Itara dans l'ordre. Salut Denzi, tu sais comment jouer à ce jeu? Il n'y a rien à installer, il suffit de taper point d'exclamation play quand la course commence. Enfin, juste avant en fait, hein. Random track, c'est parti, on peut appuyer sur point d'exclamation play. Une fois qu'on sera une dizaine de personnes, je lancerai les grands prix évidemment, hein. On est déjà 4. Il vous reste 40 secondes pour participer à ces courses d'échauffement. Et vous avez évidemment toujours le droit de parler dans le chat. Je trouve qu'il manque un truc à côté de mon pseudo. Dis-moi, raconte quoi? Qu'est-ce qui manque à ton côté de ton pseudo? Ah, t'as resub? C'est ça? Ben oui. Merci, c'est gentil tout plein. Eh ben, on va faire un export de la vidéo alors. Un grand merci pour ce sub. L'argent ira aux gens qui en auront besoin, comme promis. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour Itara. Non, non, non. Les cartes, c'est pour Itara. Les dons anonymes, c'est pour Itara. Tout le restant, les profits vont directement aux personnes qui en auront besoin. Alors, Crouton, il a commencé à comprendre comment fonctionne le jeu. Résultat, il est encore en première place. Denzi se démène comme un chien pour le dépasser. Et, oh, ça mélange. Itara en a profité pour dépasser tout le monde en douce, mais il se trompe de sens, Itara, c'est pas par là. Florence se dit que, avec des petits cœurs partout, ce serait bien la seule fille du live qui pourrait remporter la victoire. On va voir si les mixeurs sont d'accord avec elle. Je sais pas si vous remarquez, mais le fantôme devant, c'est aussi de Florence, donc ça veut dire qu'elle sait comment jouer dans cette game. Un jour, vous allez voir, on aura un vrai raid. Le truc à la MV avec 4000 bonhommes qui s'amènent d'un coup. Et je me demande quelle sera ma réaction quand même. Est-ce que je vais pouvoir assumer? Ou est-ce que je vais craquer comme la plupart des gens quand ils sont raids? Je sais pas. On verra. En tout cas, ça me fera tout bizarre. Denzi qui a pris la tête. Et le jump de la mort vers le réceptacle. Raté. Florence, elle a su le viser. Donc Denzi est éliminé dans cette course, mais c'est pas grave, tu peux refaire toutes les autres. Si vous connaissez pas le jeu, regardez bien à la fin de chaque course pour votre énergie. Vous avez 20 points de départ d'énergie. Et toutes les 4 courses, vous regagnez 4 points d'énergie. Ce qui invite les gens à essayer de faire un petit peu de stratégie pour jouer un certain nombre de courses chez le même streamer et ne pas changer de streamer tout le temps sous peine de tomber à court d'énergie, bien entendu. Alors Florence, est-ce que tu vas nous laisser le temps de te rattraper? Crouton passe par là, vite! Et il a raté les trous aussi. Itara se dit, je connais le chemin, je vais prendre les trous, mais Florence est déjà dedans. Et là, ça commence à être chaud pour la rattraper. Je pense que la Flo va nous remporter cette victoire. GG Flo. Oh. Ne parlons pas trop vite. Si. Première, Flo. Deuxième, Itara. Et Crouton, il va réussir aussi. GG pour le top 3. Si vous trouvez le jeu sympa ou la chaîne sympa, n'hésitez pas à inviter vos amis. Je lance un random track.
vous faites point d'exclamation play, et puis vous courez sur les réseaux sociaux pour aller chercher les poteaux. Parce que ce jeu est d'autant plus marrant qu'on est nombreux. Ne jamais oublier ça. Ben, je crois qu'on y est hein, déjà. Qu'est-ce qui se passe? Play. Denzi et Florence en rose, l'un à côté de l'autre. Crouton et moi de l'autre côté. Un peu en arrière. Donc on risque de faire des grands tours sur le vortex là. Et n'hésitez pas à aller chercher les copains. Quand on a une centaine de billes, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus marrant. Alors, pour expliquer à Denzi, tu vois deux lignes de billes à gauche et une à droite. Chaque fois, trois possibilités. Quand tu fais play 1, c'est la bille blanche, play 2, c'est la brune, play 3, c'est la noire. Et comme t'es sub, toi, tu peux faire 4, 5, 6 pour avoir les trois choix de droite. Et celle qui chante, c'est Raven. On va aller voir d'un peu plus près. Itara est près du centre de l'œil. Ouais. Je pense qu'Itara va rentrer le premier. Crouton le suit de très près. Attends, il y a... Ah oui, c'est un fantôme. Chaque fois, les fantômes... Oh là! Je suis déjà parti, moi. Le petit ange du caritatif. Je tiens à préciser que je veux faire un grand merci à Pixel by Pixel, le créateur du jeu, pour m'avoir permis de porter ses ailes d'ange. C'est quand je leur ai demandé de parler de mon programme par rapport au caritatif. Ils se sont dit qu'un ange pour le caritatif, ça ne peut que coller bien. Oula. J'ai eu peur de foirer mon envol, là. C'est Crouton hein, qui est en tête de nouveau. Et je crois qu'il n'est plus stoppable là. S'il réussit son saut vers le... Oh bah tiens, regarde-moi ça le raccourci que je viens de prendre. Bim, premier pour moi. L'ange a gagné. Crouton a foiré. Explose, c'est le fantôme, donc ça compte pas. On va aller voir Denzi parce que je suis sûr que Flo va réussir son envol. Oula, danger Flo. Ouh, t'as de la chance parce que s'il avait réussi son envol, c'était bon. Ben Florence est éliminée aussi. Un petit clin d'œil de la part du gagnant. Est-ce que vous commencez à comprendre comment fonctionne le jeu? On est reparti pour une nouvelle course. Et je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à aller chercher vos copains partout sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur n'importe où, vous leur dites venez sur twitch.tv/itaragaillant. Il y a un jeu de billes assez sympa où on s'amuse bien ensemble, où on parle ensemble, où on fait les foufous. Denzi, Crouton, c'est maintenant. Point d'exclamation play, il vous reste 30 secondes. Blablabam. Alors, lui, il veut le peace and love. Et... Crouton, refait-le parce qu'il l'a pas pris, apparemment. Il reste 13 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est foutu pour la circonscription. On a perdu Crouton en cours de route. Ou alors il est peut-être parti sur les réseaux sociaux pour aller chercher tous ses copains avant qu'on commence à faire les vrais grands prix. Ici c'est juste des sessions de chauffe. Hein. Et là, vous massacrez le fantôme là pour le moment. Le fantôme c'est le joueur en bleu qui a battu le score de vitesse en fait. Hein. C'était Maddy Max. Et là, Florence est bien partie pour prendre le lead. Salut Vitaly. Et bienvenue sur le live en cours. Florence a réussi un super jump.
Elle a pris une avance de feu. Pendant qu'Itara, lui, s'est juste ramassé. Il est tout mort, Itara. Donc, pour t'expliquer, Vality, parce que je sais que tu connais pas ce jeu, quand tu verras tout le monde taper point d'exclamation play, tu pourras le faire aussi. En choisissant la couleur de ta, l'habit que tu veux. ONG La Team nous suit. Merci pour le follow et bienvenue dans notre programme caritatif. On est parti, on vient de commencer pour une séance de Marble on Stream où on va tenter d'un peu s'amuser. Donc n'hésitez pas à faire coucou dans le chat, à discuter, à poser des questions, à balancer des bêtes vannes, à faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire point d'exclamation commande aussi pour voir plein de possibilités où le robot du chat va vous répondre avec une politesse indicible. Alors Florence, elle va massacrer le score de Malimax. Hein. GG Florence. Denzy, t'as encore tes chances. Ça fait troisième fois que tu me poses la question, Vality. Je vais commencer par croire que tu me lis pas. C'est Marble on Stream. C'est un jeu de billes, comme tu peux le constater. Où le hasard délivre son payload, comme on dit en anglais. Donc c'est le hasard qui te fait gagner. Mais la seule façon de gagner, bien sûr, c'est de participer. Donc quand on passera à la prochaine course, n'hésite pas à faire point d'exclamation play comme les autres. On fait encore une de chauffe, hein. Un nouvel écuyer, l'Isis de notre geek. Le Zizi de notre geek. Ouais, pourquoi pas? Ça pourrait être poil de carotte qui s'amuse, ça. On verra bien dans le futur. Voilà, c'est maintenant que tu tapes. Point d'exclamation. Play, c'est comme ça qu'on fait. Alors, le Zizi de notre geek. Est-ce qu'on se connaît déjà? Et si on ne se connaît pas, comment nous as-tu trouvé? Et bienvenue à bord de notre programme caritatif, évidemment. 1, 2, 3, 4 billes. Je laisse un peu le temps pour Vality. Voilà, c'est fait. Il a été rajouté. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Et on n'est que 2 spectateurs. Allez, c'est bon, on y va. Vous avez encore 40 secondes pour nous rejoindre. Hein, c'est Crouton, le retour! Ouh, 20 secondes encore pour vous les gens. N'oubliez pas, vous pouvez faire play 1, 2 ou 3 si vous êtes sub, 4, 5 ou 6. Et si vous avez la flemme de taper tout ça, vous pouvez utiliser simplement les icônes qui apparaissent ici en haut. Hein. Vous affichez une fois l'icône et hop. Comment on fait pour jouer? On regarde ce que fait le streamer et on croise les doigts pour que notre petite... c'était trop tard pour Crouton, désolé. C'est le hasard qui joue pour toi, en fait, Vality. C'est vraiment comme quand tu mets tes billes dans les châteaux de sable. Voilà, bah, apparemment, tu vois très bien comment ça marche, hein, t'es premier pour le moment. Mais attention, parce que c'est pas aussi simple. Il y a des pièges. Welcome back, hein, Crouton. Et merci pour l'extra follow. Ça pourra nous permettre d'atteindre un petit peu plus vite les 1000. Et une fois qu'on aura 1000, on pourra faire un code créateur sur Fortnite, pourquoi pas. Histoire de... Oh là, Denzy t'a dépassé. Histoire d'attirer des sponsors et de faire un petit peu d'argent pour la cause caritative, évidemment. Hein. Vous voyez, là, un peu plus loin, il y a une paire de marteaux, là. Évitez-les à tout prix, parce que sinon, vous allez apprendre à voler. Mais il est peu probable que vous atterrissiez quelque part sur le terrain. Bah ça va, vous êtes passé à travers. Là les cubes vont vous ralentir mais au bout d'un moment vont disparaître. Je regarde comme ça, des fois que je vois les autres arriver. Voilà, Vality il a compris. Hein. Il passe à travers, c'est tellement plus simple. Le jump de la mort qui tue. Pouh! Ah non, si. Ah il y a des ascenseurs ici, c'est pour ça. C'est invisible mais il y a plein de petits ascenseurs. Maintenant, il faut aller vers le centre, hein, évidemment. Voilà, comme ça. Et houhou! Comment on fait un extra follow?
Ben, en fait, il faut faire un autre compte, quoi. Mais je demande à personne de le faire parce que c'est quelque part un peu cheat. Mais celui qui le fait sans que je le demande, ben, je dis merci pour l'extra follow, quoi, c'est tout. Et c'est une première victoire pour Virality, sachant que c'est sa première game, moi je dis chapeau. Maintenant, on va voir comment Denzi se tronche la tête. Boum, par terre, c'est fini. Vality, GG. Et jouer avec la Dev jaune, une bille assez rare que j'ai gagnée en faisant un concours dans la Community Team. ONG, la team, c'est moi. Ah, aussi. Ah, bah, t'en as fait deux du coup. Tant qu'on n'est que quatre, on fait des maps au hasard les unes après les autres. Et on fera les grands prix quand on sera une petite dizaine, ça va? C'est le minimum pour que ce soit intéressant à faire. Donc n'hésitez pas, vous faites point d'exclamation play. Et on a 40 secondes pour finir le truc. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est pas de la blague. Pendant les 40 secondes ici, n'hésitez pas, Facebook, Instagram, etc. Vous publiez le lien de votre streamer préféré, c'est moi. Ah ouais, on le sait. Pour attirer un max de gens, puisque c'est un jeu qu'il faut même pas installer. Il n'y a qu'à regarder, jouer et s'amuser avec nous. Vous pouvez aussi parler dans le chat, histoire de rendre la vie du streamer un peu plus facile. Parce que je vous dis, d'ici à la fin du live, je vais commencer à avoir du mal à raconter des choses que j'ai pas déjà dites si vous n'interagissez pas avec moi. Alors, je sais pas s'il a eu le temps de rentrer, le zizi, mais alors c'est vraiment tout juste, hein. Non, trop tard. Ah, il faut vraiment rentrer avant le countdown des 10 secondes, en fait, hein. C'est parti pour Crouton pour le moment. On est tous en pack, hein, donc je regarde un peu tout le monde. Et merci à ceux qui regardent l'instant pub. Attention, les rochers ne sont pas vos amis. Faites comme Itaragaïan, vous passez à côté. Ensuite, il y a le vortex ici. Itara reste en première position. Il y a moyen de d'éviter les petits cailloux là, ils vont disparaître. Crouton. Itara en tête, mais ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Florence se tape tous les petits cônes parce qu'elle trouve ça rigolo. Vality se dit en passant à côté, ça va plus vite, il a raison. Vality casse tout sur son passage, il fait tomber les pics de glace pour embêter ceux qui sont en bas. Et d'ailleurs, ça va handicaper Itara. Regardez, il va commencer à être bloqué par la glace qui a fait tomber Vality. C'est un beau move technique, ça. Comment on fait? Ben, on sépare. C'est la chance, c'est tout. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, Vality rattrape notre streamer. Hein? Il s'est fait avoir par son propre piège. Rien n'est jamais fait dans ce jeu. Résultat, Florence arrive aussi en arrière. Tout le monde se regroupe à part Itara qui est un petit peu loin devant. Mais c'est pas fini. Alors, je suis pas mauvais en impro, hein, les gars. Mais c'est mieux quand vous parlez avec moi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, t'aurais dû sauter au-dessus. Maintenant, tu vas faire tout l'aller-retour dans les différents niveaux. Itara finit son dernier niveau. Il va prendre l'ascenseur après les petits cônes. Donc voici Vality qui dépasse Itara comme une brute, mais il a bien raison. Il passe à travers les cônes. Itara se dit, je vais pas me laisser faire, non mais direction l'ascenseur, attention l'ascenseur au-dessus. Il peut un peu vous ralentir, mais ça va, Vality s'en sort bien.
Alors attention pour la piste de ski finale. Le saut en longueur. Réussirez-vous à rejoindre le petit panier? Ça sera pas Valiti. Ça sera pas Itara. On va voir pour Florence et Denzi. Alors Crouton, prends ton élan. Ils vont sauter à peu près en même temps, non? Florence se lance en premier lieu. Et c'est une échec. On va voir Crouton. Ah, Crouton, je crois qu'il s'est envoyé par terre aussi. Mais on a quand même un victorieux qui est Denzi, le seul gagnant de la game. GG. Alors combien on est? On est 6. Allez, amenez-moi encore 4 personnes, les gens. 4 personnes. Et je lance les tournois. On peut commencer avec Play en attendant. Ah, on était 6, on n'est plus que 4. En tout cas, c'est ce que nous raconte notre ami Twitch. L'astuce, c'est que j'ai toujours pas trouvé un moyen réel et efficace de savoir exactement combien de personnes précisément nous suivent, malheureusement. Question, comptes-tu jouer à Rocket League? Si oui, quand et avec tes viewers? La réponse est non et non. Rocket League, j'ai vraiment du mal. J'aime pas les jeux de voiture, j'aime pas les jeux de foot. Et là, on mélange les deux, donc c'est vraiment pas fait pour plaire à Itara. Et puis, il faut laisser un peu de place pour les autres. Vas-y, Denzi, tu peux faire point d'exclamation play si t'as envie. Parce qu'il ne reste que 40 secondes pour rejoindre la team. Nous voilà avec Denzi. Et j'espère que vous m'en voudrez pas hein, si je fais pas Rocket League. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que un streamer sait pas jouer tous les jeux qui existent sur la planète, déjà. Il faut que le streamer s'amuse aussi, sinon il sera beaucoup moins efficace dans le boulot qu'il fait. En gros, c'est ça quoi. Hein. Dans 5 secondes, on commence la course. Oui, tu peux venir dans le vocal. Tout le monde peut venir dans le vocal. Et Florence fera un mute sur le serveur si jamais vous déconnez. C'est la seule règle. Donc on peut discuter ensemble, il n'y a vraiment pas de souci, c'est fait pour. Vous pouvez même peut-être commenter avec moi si vous avez des talents pour ça. Denzi est en tête. Oui, bien sûr qu'on peut venir en vocal, hein. C'est comme ça qu'on commence à faire des discussions de ouf, où on parle de tout, de rien, où on explique ce qu'est le projet, où on fait connaissance avec les uns et les autres. Denzi est toujours premier. Ça, je peux pas faire grand, hein. Je suis pas en vocal, moi. Ah, ma faute. Voilà. Je me suis mis en vocal, rejoignez-moi à cet endroit-là. Mais en tant que streamer, j'ai du mal à swapper entre les écrans, évidemment, hein. Je suis occupé à bouger l'écran. Mais je me suis mis en vocal, hein. Maintenant, c'est bon, hein. Allô? Salut. Ça va? Ça va. Tu connaissais pas ce jeu, hein? Non, pas du tout. Ça change de Fortnite. Ouais. C'est Crouton qui est en tête pour le moment. Mais il va se faire balader par le mixeur. Ouh, le tir groupé, tout le monde ensemble. Ça, c'est pas mal pour la finale. Mais ça sera Florence, Crouton, Denzi et Itara dans l'ordre. GG à tous. C'est quoi ton truc? Mon truc? Le truc à qui? C'est IGNet, hein.
Tu peux join direct le channel si tu veux. Ouais, absolument. Je crois que j'ai fait ça, je play trop tôt. Et du coup, c'est qui alors qui est avec moi? C'est Vality? C'est Croton? Quoi? C'est qui est dans le channel avec moi? Là, c'est Denzi. D'accord, Denzi. On est combien? 1, 2, 3, 4. Il manque encore une ou deux personnes. Et à 25, je clique sur Start. Non, je vais taper maintenant. Voilà. Il vous reste 40 secondes pour rejoindre le groupe, le troupeau. Et pour ceux qui seront fidèles, une fois que j'aurai assez de points dans la game pour ne plus être obligé de dépenser les points pour améliorer la qualité, je pourrai évidemment commencer à distribuer les cadeaux vers les joueurs, évidemment. Mais on est au tout début du Marble Zone Stream. Donc pour le moment, on va d'abord essayer de se faire une petite place parmi les grands. Et vous, entre-temps, ce que vous gagnez, c'est un meilleur positionnement sur le classement international, évidemment. Suivi Tahiti. On a parfois des grinders qui viennent s'amuser avec nous. On les reconnaît parce qu'ils ont un petit drapeau au-dessus de leur tête avec leur classement. Et il y en a quelques-uns qui sont bons, hein. Et quand je dis bon, c'est surtout assidu que je devrais dire. Alors ici, on va passer à travers une forêt de petites jambes. On Buscaria Radio. Eh ouais, je les connais bien, les petites jambes, hein. Du coup, je vous ai pris un petit peu d'avance. Mais ça marche aussi par l'expérience de son personnage ou juste vraiment le hasard? C'est vraiment le hasard et donc pour se classer, il faut faire un maximum de courses en fait. Hein. C'est pour ça que je fais 2-3 fois par semaine, comme ça mes viewers peuvent monter aussi en niveau. Denzi a repris la tête. Oui. Et je vous ai tracé. Et la musique qui passe pour le moment, c'est celle de T. Lundy. Hein, ça a l'air d'être une collaboration avec Raven. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Itara éliminé. Denzi éliminé. Croton va se faire une belle victoire. On va regarder ça en gros plan. Vas-y Croton. Allez. Oh, tu sais plus perdre là, je crois. Qui a parlé? Eh ben, je crois que c'est Croton, hein. Ou c'est Vality, un des deux. Je crois que c'est le même, non? Je crois pas, non. Attends, Croton, c'est Vitality ou pas? Monsieur Croton, on vous parle. Croton, c'est Croton. Ok. Donc Vality, c'en est un autre. Je suis tellement de compte en même temps. On va voir où est Flo. Elle arrive. À son aise. Elle se dit dernière pour dernière, je vais à mon aise, je visite et puis je prends pas de problème de danger histoire de pas me faire éjecter. Et elle a bien raison puisqu'elle finit deuxième. points, bientôt le prochain 50 crédits. Et avec ces 50 crédits là, j'améliorerai évidemment les billes qui sont disponibles. Donc je le répète encore une fois, les gens, n'hésitez pas à aller chercher vos copains. Au début, c'est comme ça qu'on se fait connaître sur un nouveau jeu. C'est quand la communauté aide à faire venir de nouvelles personnes. Florence est dans la course, Ita est dans la course, Crouton est dans la course. Au pire, Itara, je peux aller sur mes deux comptes. Oh, c'est pas le but que la même personne ait plusieurs comptes. Le but, c'est que vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui viennent s'amuser, en fait. Exactement. Voilà. Parce que si on est 10, mais qu'il y a 5 fois, c'est la même personne, c'est pas le but.
Bah, ça peut être marrant quand il y a vraiment beaucoup de billes, mais je sais pas. Hein. Si tu veux, tu peux, mais il faut déjà au moins faire au moins une fois play, sinon ça sert à rien. C'est vrai. C'est combien de secondes là? T'as encore le temps. Voilà, Denzi est dedans. Et je lance le compte à rebours, il reste 40 secondes. Florence, invite une fois tes potos sur. Je sais pas pourquoi le son a déconné comme ça. Sur Facebook, des fois que des gens voudraient revenir. Si tu veux bien, hein. Il reste 13 secondes. 10, 9, 8, 7 et 6. Et c'est parti. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je trouve plutôt cool. Bah, il a un succès de fou, hein, pour le moment. Hier, c'était la Community Day, ou avant-hier. Et c'est comme ça que j'ai gagné plus de 200 crédits pour faire des décorations sur les billes que vous pouvez choisir. Alors, qui va Ça reste une question. Oui. Fortnite, ça sera quand? C'est demain matin? Fortnite, quoi? Fortnite, ça sera quand? Le prochain Fortnite? Non, non, mais quand tu vas jouer, est-ce que à La demain? prochaine fois que tu joues? Ah, je ferai probablement un live surprise demain, je ne sais pas encore à quelle heure, puisque ça dépendra quand on aura fini les caisses. Mais officiellement, c'est le mardi, le Fortnite. Mais il est probable que demain je refasse une game ou deux. Mais je ne sais pas dire à quelle heure, parce qu'avec le déménagement, on a déjà rempli toute une pièce entièrement de caisses. Et on a encore l'impression que l'appartement est comme si on habitait dedans de façon normale. Donc on a encore beaucoup de boulot et il nous reste juste 15 jours pour tout finaliser. Et c'est pour ça que pendant le Oh, mois sinon, en ce moment, je suis d'octobre... pas trop sûr. Mon passé, il s'est passé quoi en fait? Ben je déménage en fait. Donc le mois d'octobre, j'ai changé mes horaires pour avoir le samedi, dimanche et lundi pour pouvoir faire les caisses pour préparer pour les déménageurs. Et à la fin du mois, je prends mes affaires et je pars à 70 km d'ici, dans une petite maison, pour diminuer le loyer, si tu veux tout savoir. Denzi s'en va en deuxième position, si on le rattrape Ah pas. ouais, ça fait exprès, je ferme mon coup d'œil. Il n'y a pas de souci. Si vous aussi vous voulez décorer vos billes comme la mienne par exemple, il y a des tas de possibilités. Il y a des effets spéciaux quand on arrive, il y a des effets spéciaux quand on démarre, il y a la couleur de la bille qu'on peut changer, il y a plein de choses. Pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est de télécharger Marbles on Stream sur votre téléphone portable et ensuite vous participez au championnat, aux events en fait. Et là, il y a des cadeaux à gagner, comme tout ce que je viens de vous dire, quoi. Des arrivées, des départs, des trails. Et vous allez voir, quand il y aura des gens qui vont nous rejoindre, il y a des billes qui sont absolument superbes. Itara est dedans, Florence est dedans, Crouton est dedans. On attend encore quelques secondes pour les suivants. Et n'hésitez pas, comme je t'ai dit tantôt, hein, un petit tour sur Instagram ou Facebook, vous dites à vos copains de venir. Il n'y a rien à installer. Et c'est comme ça qu'on peut s'amuser. Il manque Denzi. Oh, faut j'en sois bouclé. À ton aise. C'est pour ça que je t'attends, il n'y a pas de souci. Ben, vas-y, lance, attends, je lance parce que j'ai un peu peur. Ça marche, 40 secondes avant le départ.
juste à temps. Les Easy Nanot Geek qui a pris une place en plus. Vality, il s'est carapaté en fait. J'ai eu ça. GG, t'en as trois du même coup. On va aller voir plus près du trou. Pour voir comment ça se dispute. Oh ben, quand j'arrive, ils sont tous sortis, dis donc. Et puis, c'est pas facile pour les streamers, hein. Il y a le Z-Event là qui continue à essayer de capturer tous les gens. Moi, j'ai commencé par aller voir pour voir si ça racontait des choses intelligentes. Et j'ai vu qu'il faisait ça pour... avec Routon et Premier. Pour Amnesty International. Donc je dis, mais c'est génial ce qu'ils font. Et puis le mec principal, il dit qu'avec l'argent qu'il reçoit, il va faire une plage. Il va nettoyer une plage. Alors sorry, mais je vois pas trop le rapport entre Amnesty International et les plages. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être du grand imp. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait quand même un peu bizarre. Crouton est dans l'œil du cyclone. Va-t-il survivre? Il a l'air de s'en sortir, mais Florence a déjà trouvé la sortie. On va suivre Florence. Quand on arrêtera le live, la prochaine fois qu'on jouera à Marble, ce sera mercredi si ça vous intéresse. Florence a décidé de gagner. On va voir Crouton qui est en dernier là pour le moment. Il pourrait... Oui, il a dépassé tout le monde. Il va finir deuxième, suivi de Itara et suivi d'ONG. GG à tout le monde. Alors racontez-moi, qui c'est qui a déjà été sur ces réseaux pour faire appeler ses copains? Parce qu'on est encore 3. On est de moins en moins au lieu de plus en plus, ça va pas aller ça. Florence, merci Florence d'avoir fait coucou sur les réseaux sociaux pour attirer des gens. Je le fais aussi. C'est sympa tout plein. Parce que Florence, elle est sub, donc elle peut choisir aussi les 3 billes qui sont à droite. Elle choisit la 5 parce qu'elle aime bien la citrouille. Denzi, il aime bien la bille blanche, donc il a fait play 1. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des numéros à côté des billes. Et si tu fais play, donc on voit everyone. Et si tu fais play tout court, alors là, c'est une des 3 premières billes que tu choisis. Mais c'est au hasard, en fait. Alors... Mais t'es pas subscribe, t'as que les 3 premières. Exactement. Mais ça change rien, hein. C'est juste pour faire plus joli et pour une façon de dire merci à ceux qui sont sub, quoi. 1, 2, 3, 4 en course. Plus que 40 secondes et on démarre. Par contre, ce jeu, il y a un truc qui est très compliqué. C'est pour le streamer. Réussir à parler pendant 3 heures sans avoir de sujet bien défini. C'est chaud. Mais c'est un bon entraînement, je trouve. On est 4 déjà, du coup. Itara, Crouton, Denzi et Florence. Dans 10 secondes, on va commencer. C'est quoi partager vos écus à 10 000? Alors, partager vos écus, y a deux façons de récupérer les 10 000 points. C'est soit tu veux des écus pour toi, alors là, tu cliques sur
le partage des écus. Et donc, quand il y aura une donation qui sera faite, nous, on distribue l'argent entre tous ceux qui ont choisi de prendre des écus pour eux. Et les personnes qui ont assez d'argent, qui considèrent qu'ils ont assez d'argent ou qui ont envie de partager, alors là, vous choisissez partage des points. Et alors là, les écus seront distribués aux autres écuyers. Pour pouvoir profiter des écus, il faut un compte sur Hive. Et ça, je peux les créer avec vous, voire même les offrir carrément. On en a quatre qu'on peut créer là pour le moment. Un écu est égal à peu près à un euro, hein, comme ça tu sais. Florence et Denzil, les deux premiers. Et il n'y a plus trop de pièges. Faudra juste éviter les picots et bien gérer le vortex. On va s'approcher un peu. Parce qu'on est tous en groupe là. À part Crouton qui s'est perdu à l'arrière. Attends, je relance mon son. C'est pas ça. Alors, qui va s'en sortir le mieux dans le petit vortex ici? Denzi. Denzi est passé en tête, mais attention, le gros vortex peut mélanger encore les billes. Allez, Crouton, rejoins-nous. Après, ça marque premier Crouton. Oui, parce Mais que après, c'est c'est par rapport à l'arrivée. Donc, une fois que tu es là-bas au bout, en haut là, il croit que tu es premier parce que tu es le plus près de l'arrivée en fait. Pour le moment, c'est Denzi hein, qui a décidé de gagner. Attention pour l'accélération. Je suis Wouhou! meilleur. On est tous le meilleur au moins une fois dans sa vie. Rappelez-vous, quand votre papa a fait crac-crac avec votre maman, c'est vous qui avez gagné la course. Et pourtant, vous étiez plusieurs millions. Il y a des enfants. J'ai rien dit de mal, c'est de la science et de la biologie. 4, on va voir avec Crouton. Mais enfin, faire l'amour aussi, c'est de la science. Absolument. Mais c'est pas pour ça qu'on va expliquer à un enfant comment le faire. Et je ne l'ai pas expliqué pour ces raisons-là. T'inquiète, Bien évidemment. j'ai été prof une paire d'années, donc je peux Ah ouais? gérer. Oui, monsieur. C'est comme ça que j'ai connu ma femme. J'étais son prof d'informatique. Ah ouais? Ben oui. Et pourtant, on a le même âge. Mais faut dire, j'ai commencé très tôt. À 17 ans, je donnais cours. Et go, les amis, on peut y aller. Florence, raconte un peu dans le chat comment on s'est rencontrés. Et là, ceux qui ont rien compris. Ah bon, Florence, c'est ton épouse? Ben ouais. Mon épouse, ma modératrice, elle fait tout. Elle fait tout. Elle ramène des petites soupes le soir quand je suis à faim. Ouais, elle fait tout. Elle est super gentille. Ah oui. Alors, il faudra aussi que je regarde une fois sur Twitch parce qu'apparemment il y a bientôt une nouvelle application qui sort pour pouvoir faire de la musique gratuitement sans avoir des ennuis de copyright. Je pourrais alors ne plus forcément utiliser la musique anglophone que je mets derrière. Parce que cette musique-là, j'ai le droit de la faire jouer par tous les musiciens que vous entendrez. Ils m'ont tous donné la permission. Ce qui permet d'animer un peu le son du live sans risquer de se faire ban ou de se faire strike. Itara était moniteur d'informatique à 17 ans et moi j'étais participante à 17 ans aussi dans la même colonie de vacances. Exactement. Oui. Le pire, c'est qu'elle avait flashé sur moi, et c'est 15 ans après qu'on s'est re-rencontrés et que, eh ben, on a décidé de vivre ensemble.
Ça va long. Oui. Vas-y Florence, montre à ces petits jeunes comment on fait une course. Et on s'est retrouvé via Facebook exactement. Quelle belle histoire. Comment dis-tu? Quelle belle histoire. Oui, hein. Moi, avant-hier, j'ai re-rencontré une de mes meilleures amies quand j'étais au primaire encore, qui elle était, je crois, ancrée sur moi. Et peut-être que un jour ça va jouer. Ah, si t'as un crush sur elle aussi, ça pourrait arriver, ouais. Mais je sais pas si elle est sur moi. Ah. Je sais que je pense qu'au primaire, il y a moyen, mais bon. Ah, tu sais, il n'y a qu'une seule façon de savoir, hein. Il faut le demander, il faut le dire, il faut pas hésiter de dire à quelqu'un qu'on l'aime bien. Il y a tellement de saloperies sur cette planète que quand on reçoit un peu d'amour, c'est toujours positif. J'ai gagné. Oui. Denzi premier, Florence deuxième, Crouton troisième et le dernier, c'est Ita la honte. Ha ha ha. T'as quel âge, Denzi? Quoi? Il demandait ton âge. J'ai 13 ans et demi. Et toi? 11 ans, bientôt 12, 29 ans. Bah vous avez encore le temps, hein. Ouais. Mais quand vous aurez 47 ans comme moi, vous raconterez aussi à vos copains comment vous avez rencontré l'amour de votre vie. Et ils vous diront, oh, c'est une belle histoire. Point d'exclamation play pour rejoindre la game. Pour ceux qui veulent. Je te laisse quelques secondes si tu veux pour mettre tes autres comptes. Moi je vais aller jouer un peu avec mon cousin, donc je laisse le stream tourner derrière. Ça marche, c'est super gentil et merci d'avoir essayé le jeu avec nous, j'espère que tu t'es un peu amusé. Ouais, à la prochaine. Yo, à plus. Et bah du coup, on met 40 secondes et on démarre. T'as encore le temps, hein. Il faut juste pas traîner. Ouais. Crouton a rejoint, la team a rejoint. Il reste 20 secondes. Tapat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 
Il va passer le flocon de neige. Ouh, il choisit le chemin de gauche. Et les autres, ils vont choisir quoi? Le chemin de droite pour Florence et pour le croûton. Itara Gaillan est déjà dans le dernier vortex. Le croûton pourrait jouer les enquiquineurs en venant taper sur ma bille. Ah bah c'est Florence qui nous met tous les deux dans le trou et qui me vole la victoire. Ah non! Tout juste Itara premier, Florence deuxième. On attend la team. Croûton troisième. Quatrième. Alors ONG la team a intérêt à se dépêcher parce que si le mur bleu arrive, c'est l'élimination. Quel mur bleu? En fait, dès que le premier finit la course, il y a un mur bleu, comme dans Fortnite, qui avance tout le parcours. Et tous ceux qui sont rattrapés sont éliminés. C'est pour être sûr qu'il n'y a personne qui reste coincé et qu'on attend jusqu'à la fin des temps, quoi, tu vois. Alors, on va aller 2 minutes dans le main menu. Et on va aller dans la shop puisqu'on a hein, on a que 50 points. J'étais pas tombé à zéro. Où est-ce que je vois Ah, je dois cliquer ici. Claim. Voilà. Du coup, le prochain, il faut arriver à 4000 points. Donc, il faut faire le double de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça nous a pris une semaine hein, d'arriver au niveau 2. Donc, le niveau 3, chaud devant les gens. On va aller voir dans Shop. On a 100. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je rajoute une bille ici. Ça fait 75 points. Soit je peux acheter l'image d'une bille à 100 points. Je pense pas qu'il y ait de bille à 25 points. Donc c'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce que vous préférez les gens? Parce que si jamais je rajoute une bille dans le customize, on pourra utiliser cette bille-là en plus. Qui est la bille de Standard Damage. Un autre streamer qui travaille sur Marbles. Qu'est-ce que vous préférez? Racontez-moi dans le chat. Si ça vous est égal, vous me le dites aussi, hein. Je mets un slot de plus. Allez, je mets un slot de plus, alors. Pouf! C'est fait. Catching. On le met du côté des subs. Et on met la tête de pleurs. Voilà! Comme ça, si jamais un jour il vient nous rendre visite, il pourra même utiliser sa bille. Qui sait, un jour, il pourrait nous faire un raid. Pourquoi pas, hein? On peut rêver. Alors j'ai très très peur les gens, parce que là ça fait 1 heure qu'on stream et on est toujours que 3. Alors on va commencer les grands prix. Tant pis pour ceux qui sont pas là. On va faire des 5 courses. Et donc c'est celui qui gagne les 5 courses qui est nommé le grand champion. On va faire endurance, pixel, dojo parce que j'aime bien, multilane madness et the house of pain. Vous êtes prêts? Vous pouvez faire exclamation point play pour lancer la première. Je te laisse quelques temps si tu veux rajouter tes poteaux. Ouais. C'est pas obligé, hein? On peut décider de jouer jusqu'à 3. Et mon fils qui est avec nous est l'aigle fou qui nous a rejoint. Salutations tout le monde. Juste au moment où je commence les grands prix, quoi. Vous avez un bol de pendu, hein. Et comment va Virgile? S'il veut, il peut venir sur le vocal. Le fou aussi peut venir sur le vocal. C'est pas une obligation, hein. C'est une invitation. C'est pas pareil.
Alors, pour ton dernier compte, tu as encore 40 secondes, donc tu as largement le temps, mais comme ça, les autres n'attendent pas des heures non plus. Alors, celui qui détient le record sur cette course, sur notre chaîne, c'est VV Kalash en 1 minute 44 secondes. Est-ce que vous allez le battre? Je suis pas encore censé être encore debout, donc venir en vocal, ça le fera pas. Fais gaffe de pas te faire engueuler, hein, fils, c'est tout ce que je te dis. Mais ça me fait déjà plaisir d'être venu. Ah ben moi aussi je suis malade, tiens. Et pour me changer la tête, je fais du stream. Parce que je suis un peu hypochondriaque. Donc quand je suis malade, je me rajoute moi-même des symptômes sans le savoir. Tandis que quand je suis occupé à faire du stream, je suis concentré sur autre chose. Et donc je suis moins malade au final, tu vois. L'aigle fou, comme il reste pas longtemps, il a décidé de prendre la tête hein, directement. Il se chipote pas avec ça. Il bat même le timer de Kalash. Florence aussi d'ailleurs. Attention aux pneus, hein, ils vont vous embêter. C'est toujours lag en premier. Attention pas là. Non mais Kalash c'est un fantôme, hein. C'est juste le meilleur score de la course pour le moment quoi. Donc si vous le battez, dans les prochaines courses, ce sera votre nom qu'on verra en bleu comme ça. Mais il est tellement loin déjà qu'à mon avis on n'arrivera pas à le battre. Et vous avez libéré l'aigle fou. On va voir où est Florence. Wouhou! Elle a pris un paquet d'avance. Eh ouais. Ouh, Florence, elle vous fait des obstacles dans tous les sens. Elle est pas très sympa, hein. Elle se dit, je veux la première place, j'aurai la première place. Regarde-moi ces beaux pneus. Tiens, mangez-les tous, les pneus. Et essayez de me rattraper. Oh oh. Elle a calé. Alors évidemment, les pneus vont disparaître, voilà. Pouf. Mais du coup, on est en amoureux. On est en amoureux pour finir la course. Ouah, c'est trop beau. Eh, il y a le zizi qui vient nous foutre la merde, là. Ouais ouais, le Zizi va nous piquer la victoire. Non mais ça va aller. Sale gamin. Zizi, premier, Itara, deuxième, Florence, troisième. On va aller voir Lag. Comment il s'en sort, Lag? Il s'en sort. Il s'en sort bien. Il va peut-être même dépasser le croton, qui sait. Ah, il faudrait que les pneus disparaissent, hein. Voilà. Hop. Vous avez vu comment le ténébreux vous a tous dépassé comme un chien? Waouh. Par la droite, comme ça en plus. Le code de la route l'interdit normalement. Hein. Faut dépasser par la gauche, hein, Virgile. Attention à ce que tu fais. Alors, le Zizi premier, Itara deuxième, Florence. Sombre ténébreux, la team, Crouton et l'aigle fou pour cette première map. On passe à la deuxième. C'est le score cumulatif qui compte et on est parti pour Endurance Test 2. Vous pouvez taper point d'exclamation play avec le chiffre que vous voulez. Pom, 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 pom. Florence est à bord, Itara est à bord, Ténébreux est à bord, Le Fou est à bord, Crouton est à bord. N'hésitez pas à appeler vos copains pour qu'on soit de plus en plus nombreux à jouer. Il reste 40 secondes. Salut Wargill, t'as encore le temps de faire play. Et bon retour parmi nous. Donc comme je disais, n'hésitez pas à faire un petit tour sur vos réseaux sociaux histoire d'amener un maximum de gens. Parce que ce jeu est très marrant quand on est plusieurs. Et si on est suffisant, je pourrais peut-être même essayer de débloquer de nouveaux badges VIP pour la chaîne. Puisque quand tout le monde tapera play, si on arrive à 25, on va débloquer deux nouveaux badges. Ah, il y a Virgile qui fait voler un an JG. Et c'est parti. Qui c'est qui sortira du vortex en premier? Qui fera mieux que King?
qui a fait le meilleur score en 2 minutes 20. A ton avis, c'est qui, t'as dit? Florence. Tu crois? C'est possible. Ouais, c'est sûr. Mais il y a pas mal de pièges, hein. Hein, quoique, il n'y en a pas des masses. Il n'y a que deux mixeurs, comme je les appelle. On va voir, hein. Et pour le moment, Florence fait même mieux que King. Donc, on verra peut-être son nom la prochaine fois qu'on fera cette course. Oh, t'inquiète, Virgile. Ça tombe qu'avec les mixeurs qui arrivent bientôt. Ou si tu prends la voie du milieu. Itara, il a choisi la voie du milieu. Le Fou et Crouton à droite, Wargil et Virgile à gauche avec Florence. The King a nouveau pris son record. Donc, même si on arrive en premier, c'est peut-être encore le nom de King qu'on verra pour la prochaine fois. Florence est en train d'essayer de me dépasser. On est parti pour les cercles. Enfin, la spirale plutôt. Tu vois, Ténébreux, t'es plus dernier. Et puis, il y a encore un mixeur plus loin. Deux mixeurs même. Le recordman, il s'est déjà carapaté. Tchou! La spirale infernale, tout à fait. Itara a décidé que Florence a fait suffisamment gagner. Donc il reste devant. Mais Florence se laisse pas faire. Wow! Elle est carrément passée à travers le mixeur. Itara aussi. La folie, chacun de son côté. Mais je pense que c'est Itara qui va la remporter, celle-là. On va voir. Ça va être chaud. Tac! Alors on va voir Wargil qui est en dernière position pour le moment. J'aime bien voir les premiers, les derniers. Florence deuxième. Sombre Ténébreux qui avait peur d'être dernier est troisième. L'Aigle Fou a sécurisé sa place en numéro 4. Le Crouton arrive, peinard pépère. Il se dit de toute façon Wargil est encore loin, on y va tranquille. Damn! Ça c'est Raven ça. Et c'est une course avec 6 victoires. GG tout le monde. Alors, l'entre-deux, on est à... Itara premier, Florence deuxième. Non, non, ça c'est pour cette course uniquement. Bon, on verra les résultats finaux à la fin. Hein. Et puis c'est tout. Dojo, une map que j'aime bien, celle-là. Si vous avez votre propre loadout, donc votre propre bille, n'hésitez pas à jouer. Point d'exclamation, play sans rien derrière. Il prendra votre setup que vous avez sauvé sur votre téléphone portable. Et sinon, vous pouvez choisir 1, 2, 3 pour everyone ou 4, 5, 6, 7 pour les subs. Combien qu'on est? On est 5. On est 6. Et comme on est 6, on appuie sur start. Il reste 40 secondes pour rejoindre la game. Attention, les 10 dernières secondes ne comptent pas. Donc virtuellement, il vous reste 20 secondes. Merci en tout cas de venir chez nous pour jouer un peu. Ça me fait du bien de pouvoir faire du stream histoire de me vider la tête. Et puis sur le long terme, ça ne pourra que aider notre programme caritatif. Petit appétit! Je ne sais pas s'il a compté le Crouton. C'était vraiment limite. J'espère que oui, mais à mon avis, ce sera pour la prochaine course. Si, si, Crouton a été compté dedans. GG. Mais il avait déjà fait play en plus. Mais c'est pas grave. Je croyais que ça me comptait pas. Il n'y a pas de souci. On va regarder. Sombre Ténébreux. Qui se dit, ah, cette fois-ci, je suis premier. Sauf que... ça veut encore rien dire. On a gagné quand on a franchi la ligne d'arrivée. Parce qu'ici, il y a la forêt des bambous qui peuvent même... qui peut même vous éliminer. Donc prenez garde.
Cette année est très chargée en émotions. Ah bah j'étais persuadé que tu avais déjà fait un follow, Vergil, mais merci pour le follow. Bienvenue dans le monde des écuyers. Les followers chez nous sont appelés les écuyers. Et les subs sont les chevaliers, les héros et les maréchaux. Le chevalier c'est tir 1, le héros c'est tir 2 et le chevalier le maréchal c'est le tir 3. Ah bah c'est pas par là fils, faut aller par le milieu là. Je passe toujours inaperçu moi. Bah non, puisque je t'ai reconnu tout de suite et que je pensais que t'étais déjà follow. Ah bah Wargill a dépassé mon fils. Inaperçu mais efficace. Ah le crouton il s'est fait éliminer, oui. Probablement tapé par un de ces vilains bambous là. C'est un dojo hein, il faut se battre pour y arriver. Comment? Ah bah j'étais persuadé qu'on me parlait mais c'était dans la chanson. Ah ouais, maintenant je l'entends bien. Crac, victoire de Wargill. Est-ce que Florence est éliminée? Oui. Est-ce que Itara est éliminée? Non, pas encore. L'aigle fou. Comment je suis mort? Bah tu t'es fait taper par un bambou qui t'a éjecté de la piste en fait. Elle est belle hein mamie? Hein ouais elle est belle. Bah vous pouvez avoir la même, il suffit de télécharger l'application et suivre les instructions. On va aller voir l'aigle fou qui finit en héros. Et bim! Encore une victoire pour la bille de terre de Wargill. GG. Alors on est à 2073 sur 4000, c'est pour ça qu'il faut appeler plein de copains les gens. Plein de copains. Et on est parti pour Multilane Madness. En fait, c'est bien parce que c'est au hasard. Oui, chacun a sa chance. Et au plus vous participez, au plus vous montez dans le classement. Et vous pouvez vous faire sélectionner pour participer à des concours qui rapportent des billes, des effets spéciaux, etc. Quelle appli? Eh ben, c'est Marbles on Stream, comme le jeu qu'on fait pour le moment. Mais quand vous le téléchargez sur votre téléphone, il y a moyen d'habiller votre bille. Mais si vous n'avez pas de points, il faut acheter les points, évidemment. Mais si vous faites, si vous participez au Community Day ou aux différents championnats, qui se trouvent notamment sur leur Discord, si vous voulez, après, je pourrais... vous m'envoyez un DM pour ceux qui sont intéressés sur Discord, et je vous inviterai sur le Discord de Pixel by Pixel, et là, vous aurez une notification pour chaque fois qu'il y a un championnat. Et dans les championnats, on peut gagner donc des accessoires ou des billes ou même des points. Et les points, après, vous achetez ce que vous voulez avec. C'est quoi ce jeu encore? Salutations, Ginny. C'est Marble Zone Stream. Donc, tu fais point d'exclamation play, vite fait. Point d'exclamation play, il te reste 10 secondes. Et tu vas voir, c'est en jouant qu'on comprend. C'est le hasard, hein. C'est 100% de hasard. Mais le but, c'est d'avoir du fun en parlant avec le... avec le streamer ou entre vous, tout en regardant les billes qui font une course folle vers la victoire ou la défaite. C'est trop tard pour rejoindre l'équipe, mais on pourra refaire un point d'exclamation play juste après cette course. C'est parti pour la folie. Pour le moment, c'est Florence en tête, mais vous connaissez le principe, il y a des pièges dans tous les sens. Bah je ne sais pas, il faut voir sur l'appli, t'as déjà fait des concours ou pas? Parce que si t'as pas encore fait de concours, tu démarres comme tout le monde à 0 points. Moi avant-hier j'ai gagné 200 points plus la bille jaune et noire que vous pouvez jouer. Donc je l'ai mis dans mon stream, comme ça vous pouvez jouer avec, tu vois. Alors Florence, elle se débrouille pas mal. Wargill vient de se faire éjecter. Crouton a fait un affreux raccourci,
mais a réussi à rester en vie, il n'y a rien qui est interdit. Hein. Rien n'est interdit. Tant que vous restez dans la piste, bien sûr. Alors, le fou, toi, tu vas morfler, tu viens plus sur mes lives. Ça y est, on a droit à un règlement de compte entre deux streamers, les gens. N'oubliez pas, j'ai rajouté un nouveau rôle sur mon Discord. Si vous êtes streamer et que sur mon Discord, vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander. Comme ça, les gens qui seraient intéressés par voir quelqu'un d'autre que Bibi, ils peuvent aller voir si vous faites mieux que moi ou si vous faites différent que moi. C'est peut-être mieux ce que ça, comme échange. Tchou-tchou. Le fantôme d'Itara gagnant vous montre la route. Mais pour le moment, c'est Florence en tête. Girl power, comme on dit. Voilà, une victoire assurée pour Florence. Le second sera probablement... Ouh, ça se dispute sévère. Le ténébreux suivi de Crouton. Itara, il se promène peinard. Il aime bien le manège. Il aime vraiment bien le manège, Itaraga. On fait un petit tour gratuit. C'est sympa. Et puis, il n'y a personne qui vient me taper ici. Donc, je m'amuse. Allez, ça suffit. On va y aller. Non ? Itara, est-ce que tu connais ça ? Connais quoi ? Garde. Ouais, mais le problème, c'est que le quand c'est bien fait et qu'on croit vraiment que c'est un don, je banne. Comme ça, tu sais, pour la prochaine fois. Parce que faire des... C'était juste pour dire... Ouais, j'ai bien compris. C'est pour ça que t'es pas ban, d'ailleurs. Mais il y a des petits crétins comme ça qui font croire vraiment. Alors, comme j'ai envie de dire, c'est vraiment pas cool de faire ça sur un programme caritatif. Et donc, j'ai donné instruction à mes modérateurs de se faire... de bannir toute personne qui fait semblant de faire un don. Salut Baxter, comment tu vas? Dans deux maps, tu pourras jouer avec nous. Tu peux même déjà commencer maintenant pour t'échauffer si tu veux. Mais là, on est occupé à finir le premier Grand Prix et on a déjà passé le niveau 2. Le problème, c'est qu'il faut 2000 nouveaux points pour passer le niveau 3. Ah. Alors, avec les points qu'on a gagnés ensemble, j'ai rajouté la quatrième bille ici pour les subs. Donc, si tu veux avoir une drôle de tête, la tête de standard damage, tu fais point d'exclamation play 7. Si tu veux une bille au hasard, tu fais point d'exclamation play. Si t'es sub, tu peux faire 4, 5, 6. Si t'es pas sub, tu peux faire 1, 2, 3. On est combien? On est 6 et on est 7 viewers. À partir de maintenant, il vous reste 40 secondes pour rejoindre la game. Ah ben Baxter, il est dedans, évidemment. Il aime bien ce jeu, Baxter. Et Ginny, pourquoi on la voit pas? Allez, Ginny, fais point d'exclamation play. Tu vas voir, c'est rigolo. C'est plus rigolo quand on participe que quand on regarde tout court. Promis juré. Il vous reste encore 10 secondes pour faire point d'exclamation play. Parce qu'une fois que le compteur arrive à 10, les inscriptions sont finies. Elle est timide, Ginny. Elle le fait pas. C'est pas grave. C'est son droit. Et Baxter qui vient d'offrir tous ses points de chaîne pour partager les écus avec les gens qui en ont besoin. Moi je dis chapeau, un grand merci pour ça. Mais on peut pas les prendre. Si, on peut les prendre quand on fait l'autre choix à 10 000 qui est partage des écus. Ici il a fait offrir ses points. Il y a les deux. Si on a besoin de sous, on choisit prendre, donc partage des écus. Et si on trouve qu'on a assez de sous pour vivre heureux et qu'on préfère les donner aux autres, on fait partager ses points. Moi, je suis à 1100. Avec un peu de patience, tu arriveras aux 10 000. Hein. Et les subs, évidemment, gagnent plus de points aussi. Hein. Bah, bien sûr que c'est une star, c'est un de mes viewers favoris, un des viewers qui a le plus de temps de partage avec nous et surtout de jeu avec nous. Et puis qu'est-ce qu'il joue bien à Fortnite? Ça m'aide pas mal à faire des bons scores. Il a aidé à finir pas mal de mes missions d'ailleurs. Ah bah tiens, il se gêne pas lui?
À peine arrivé, il se décide déjà de prendre la tête. Et c'est une victoire pour Baxter, on va regarder la fin là. Il risque même de battre le record de... Non, non, presque le record de Rubilo. Allez, au hasard, on va choisir Wargill. Non, on l'a regardé déjà tantôt. L'aigle fou, on va voir s'il a mis à jour son profil. Ouais, avec la tête de Mario, avec marqué le fou dessus. Et il a une toute nouvelle vidéo, l'aigle fou, qu'il faudra regarder. Hein. Les gens, si vous connaissez pas l'aigle fou, allez une fois voir ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est rigolo. J'ai envie de dire pareil pour Baxter, mais j'ai un petit peu l'impression qu'il arrête le stream pour le moment. Sombre ténébreux. Moi, je stream sur YouTube. Ah ben, il faut pas hésiter à me demander le rôle streamer alors. Et c'est Baxter avec la Peace and Love. GG. Encore une dernière course et on aura le résultat du Grand Prix. Non, c'est maintenant. Alors, qui est troisième? D'accord, pour la motivation. Et le troisième, c'est le zizi de notre geek. Le deuxième, c'est Itara. Et le premier, c'est Florence Boone. GG. Alors, c'est reparti pour un nouveau Grand Prix, les amis, si ça vous tente. Alors, on est 8. Je vais faire 6 maps. Ouais, allez, 6 maps. On n'a jamais fait 6 maps. Grand Prix. On va voir le community map. Et on va en prendre dès qu'on n'a pas encore fait. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre 6? Imbécile. Hop. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. On va aller descendre. Le chemin vers le désert. C'est maintenant qu'on fait play, les amis. Quand on voit cette image-là, vous voyez? Donc, point d'exclamation play. Bim! Et le petit fantôme là que vous entendez, c'est le trail de départ de ma bille. Hein. Alors vous choisissez 1, 2, 3 ou rien du tout pour choisir au hasard ou votre loadout. Et 4, 5, 6, 7 si vous êtes un sub pour avoir les billes un peu spéciales. Alors on est 7 billes et on est 9 spectateurs. Je laisse encore quelques secondes si vous voulez rejoindre. 8 billes. Et il vous reste 40 secondes si vous voulez rajouter d'autres billes. Et n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter un paquet de fois parce que c'est important. N'hésitez pas à aller sur vos réseaux sociaux pour spammer le lien de Itara, donc twitch.tv/itaragaillant. Et vous leur dites qu'on s'amuse à Marble on Stream et que s'ils veulent, ils peuvent venir jouer avec nous. Ça coûte rien, il n'y a rien à installer et on s'amuse entre nous. Oui, vous pouvez faire voler les têtes, hein. Chaque fois que vous faites des emotes, ça va se balader à travers tout l'écran. Alors, voyons voir si quelqu'un a pris la tête de Standard Damage. Je pense pas. On a des billes blanches. On a des Peace and Love, si j'ai bien vu. On a des sourires. Et Florence, elle se dit, on s'en fout de regarder les autres. Moi, je veux gagner et puis c'est tout. J'essaie de la trouver, mais elle est en... Ah! C'est la pleur que t'as? Ou c'est la Peace and Love? Bon, il faut attendre qu'on soit sorti du tunnel. Ah ouais, c'est la pleur. Donc c'est Standard Damage en tête. J'aime pas les maps où il y a beaucoup de toits, de plafond. Parce qu'alors on a vraiment du mal à suivre les billes. Virgile, tu vas au lit quand tu veux, mais surtout tu te débrouilles pour pas te faire engueuler par ta mère. Hein. Oh oh, je sens qu'on va avoir plein d'icônes. Il l'a fait qu'une fois. Mon programme a dit qu'une fois c'est suffisant. Ah ben voilà, il faut mélanger les icônes et alors il y en a plein qui volent partout. Florence hésite. Elle ose pas trop aller plus loin. Du coup, Itara, galant comme il est, il passe devant. Eh ouais. De toute façon, avec le féminisme à l'extrême, on n'a plus besoin d'être galant. Hein. Ce qu'elles voulaient, l'ont eu par droit maintenant. Ils font mal aux yeux, vos smileys, là. Lol. Oui.
Flo, tu peux cliquer sur Allo, s'il te plaît? Et Itara gagne. Merci, Flo. Mais non, elle se plaint pas. Elle attire l'attention. C'est pas la même chose. Voyons voir Lix qui nous a rejoint. Salut Lix. Avec le joli N là, il faudra peut-être expliquer dans le chat ce que ça représente pour faire ta petite pub, te gêne pas. Vas-y, vas-y. Oh, trop la classe, c'est sa toute première course, les amis. Sa toute première course. Il a encore 0 points. Eh ouais, mais c'est pas comme ça qu'on va perturber Itara. Alors vous pouvez voter en tapant point d'exclamation yes si vous avez aimé, ou point d'exclamation vote non si vous avez pas aimé, ou alors vous pouvez faire l'icône verte yay ou l'icône rouge nay si vous avez pas aimé. Non, point d'exclamation vote espace yes. Ou alors vous faites comme ça, cette icône là pour dire oui ça marche aussi. Je vous la montre dans deux secondes. Parce que je sais pas pourquoi il me l'a sorti. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Ça vote encore plus vite. Wargil y connaît. On le sent. Une fois que vous avez voté, je passe à la deuxième course. Et si on l'a pas Normalement, c'est une icône que tout le monde a. Mais sinon, si t'as pas l'icône, tu fais point d'exclamation, vote yes. Attends. Ça marche aussi. Et on a 4 votes hein, quand même qui sont partis vers le monsieur. Il va être content. Cette course nous a rapporté 14 points, merci pour ça. Et on passe à la map numéro 2. Et Virgile qui est une heure après, mais point d'exclamation yes, alors qu'on dit qu'il faut faire point d'exclamation vote yes. Regardez ce que les autres y tapent, à la limite ça peut aider. J'ai de l'expérience dans Marble, ouais, ça se sent. Allez les gens, je veux dans le chat tout le monde qui dit « Allez Ginny, joue avec nous. Allez Ginny, joue avec nous. » Tu fais point d'exclamation play et on voit ton nom avec. On est déjà 11 les amis, ça commence à augmenter. On veut Ginny, on veut Ginny. Genre, il y a beaucoup à faire pour jouer ici. Hein. Tu fais une fois point d'exclamation play et après tu laisses faire. Mais c'est ton choix, on va pas te forcer la main. On a 7 billes, 11 joueurs. Attention, attention. 40 secondes pour nous rejoindre. Mais oui, tout le monde te veut, Ginny. N'oublie pas la pub. Ginny, je t'aime. Vous connaissez quand même cette pub? Vous êtes tous trop jeunes. Moi, je suis trop jeune. Hein? Bah, c'est une boisson au citron qui s'appelle Ginny. Et comme tout le monde aime cette boisson, à la fin, c'était Ginny, je t'aime. Allez Ginny, point d'exclamation play, ça coûte rien, mais c'est trop tard. Naoko Sings nous a rejoint, bienvenue à bord. Alors on va essayer de suivre toutes ces billes. Les voilà. Sombre Ténébreux a décidé que c'était une fois à lui de gagner. Ah, on peut remarquer qu'il est un des premiers à avoir rejoint la chaîne, qu'il est modérateur et malgré tout il est sub. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il adore StarCraft. Alors je connais pas Nao, on va aller voir Nao. Arrête de bouger Nao, j'ai du mal à te cibler. Mon dieu. Il est où? 6. Tac. Alors Nao, il a déjà joué plusieurs fois. Et sa dernière victoire, c'était chez SD2000G. If you speak English, Nao, I do not know you. Do not hesitate to say hello. Si tu parles français, tu dis bonjour. Et comme ça, je sais dans quelle langue je dois m'exprimer pour te saluer. Sombre Ténébreux finira donc cette course. Premier GG Sombre Ténébreux. L'Aigle Fou, troisième, après Baxter, Florence et puis Wargil. Et c'est la tête de Standard Damage qu'on voit. Hola. Pourquoi il a dit hola? J'ai pas tout suivi. Alors moi je vais la voter cette map. Hein. Elle était sympa.
Sbim, on ne peut pas mettre notre musique sur le stream, car sinon je te laisse des sons électro d'époque. Ça dépend. S'ils sont copyright, je peux pas. S'ils sont pas copyright, je peux te donner un site sur Hive ou à Discord où tu pourras les soumettre et ils seront rajoutés à la radio qu'on écoute. Et ça permet de faire connaître ta musique. Mais pour ça, tu devras d'abord les uploader sur SoundCloud. D'accord ? Donc tu les mets sur SoundCloud. Et puis tu viens avec moi en DM quand tu veux, Vorgil. Et je t'expliquerai où les envoyer. Ça fera plaisir au créateur du jeu qui s'appelle Rising Star. Et en plus, ça te fera écouter tes sons par les autres. Troisième map. Encore bravo à Sombre Ténébreux, Baxter et Le Fou pour le top 3. Ah ça, s'ils sont protégés par des droits d'auteur, on pourra pas les faire jouer, non. On peut faire point d'exclamation play avec le numéro de bille que vous adorez. Excusez-moi pour la toux, hein. Je suis sous attaque virale pour le moment. 1, 2, 3 pour les non-subs, 4, 5, 6, 7 pour les subs. Je reviens. A tout de suite. Alors on affiche les noms déjà. Il veut pas. Hein. On doit d'abord cliquer sur start et après seulement on peut montrer les noms. Je pense que tout le monde est inscrit. On a 7 billes. Donc il y a encore 4 joueurs qui peuvent nous rejoindre. Et pour ce faire, ils ont 40 secondes à partir de maintenant. Et là, le fou qui est courageux parce qu'il est 10h30. Il lui reste 6 heures de sommeil. Dès que tu décides d'aller faire dodo, mon grand, tu nous le dis, on te fera une salutation. Non, c'est mort, aucun son libre d'auteur. Ah ouais, bah alors je pourrais pas. Mais merci d'avoir proposé. Fermeture des inscriptions. 10 secondes avant de jouer. Ah oui, je vous promets aussi un joli fond vert pour quand j'aurai déménagé. On verra plus l'horrible mur blanc qu'il y a derrière moi. Ce sera bien fait comme un studio pro. Parce que là, au moins, j'ai la place de le faire. Et mon épouse a dit, feu vert, tu peux utiliser la cave pour faire ton studio. Donc, on va préparer ça le mieux possible. On va essayer de passer en professionnel, hein, les gens. Ok, lag. Oula, je croyais qu'on allait se faire un coup de canon, mais non, il y a un téléporteur juste avant. Du coup, moi, pas con, je passe devant, évidemment. Ciao tout le monde, hein, comme on dit. Le petit ange d'Itara Gaillonnette est en face de tout le monde. Je connais pas, hein, cette map, c'est la première fois que je la joue. Retenez bien comment elle fonctionne pour voir si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Et après, vous pourrez faire les votes. À moi, vacances, donc dormir à minuit. Ça, c'est cool, les vacances. Hein. Enfin, c'est cool quand c'est vraiment des vacances. Hein. Moi, ça fait pas mal d'années que je suis au chômage. Donc, en théorie, c'est tous les jours vacances. Mais c'est très vite pénible quand on a que ça. Hein. Enfin, ce serait pas pénible si on avait assez d'argent pour faire ce qu'on voulait, tu vois. Mais là, on est H24 à la maison. Heureusement qu'il y a les streams pour m'éclater. L'aigle fou qui a pris la tête. Sournoisement, intelligemment. Non, il fait pas trop froid si tu construis la cave de sorte qu'elle soit prévue pour, quoi. Et là, ils sont occupés à recimenter tous les murs. Après, on va isoler tout ça. On va peut-être pas peindre en vert, mais mettre un voile vert. Installer un bureau où probablement je serai debout. Et puis, on viendra mettre la machine et les accessoires tout autour. Et à partir de ce moment-là, je pourrais même crier comme un fou sans gêner ma femme qui sera à l'étage.
L'aigle fou premier, Itara deuxième, Florence troisième, Wargill quatrième. On va aller voir Naos qui se débat avec la fin du circuit. Suivi de très près par Sombre Ténébreux, mais ça ne sera pas suffisant. On en a eu un, Baxter, qui s'est fait éliminer malheureusement. C'est maintenant qu'on peut voter. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez voter non. Hein. Retour sur la game. Tu as la poubelle franco-belge qui lose. J'ai pas compris. Eh ben Baxter, il s'est fait éliminer, donc vengeance. J'aime pas cette map. Il a bien raison. Virgile, je vais te le taper une fois. Hein. Vote. Yes. Comme ça, mon grand. Ah bah ça a compté encore une fois, tiens. C'est fou ça. Ah non, il a mis l'icône. Bon bah c'est bon. On a trois petits votes. Je pense pas qu'on en aura beaucoup plus. Il n'y a pas la commande Capagen. Non. Il n'y a pas la commande Capagen. On peut pas avoir toutes les commandes du monde. Mais si tu fais point d'exclamation commande sans E à la fin, tu verras tout ce qui est possible sur notre Discord. Ah, on est parti pour la quatrième, les gens. Ce sera Boost Blockade Boondodge. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir joué avec nous. Non, mais pas tout de suite. Ah non, je me doute. Mais je dis déjà pour être sûr de ne pas oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 billes, les gens. On peut faire mieux, je pense. 9 spectateurs, 6 billes, c'est limite. 7, allez, on va dire que c'est potable. Du coup, il y a le fou qui a décidé, à mon avis, de finir la course. Parce qu'il se dit, il n'y a plus que 3 maps, on va quand même les faire, ça tombe que c'est moi qui vais gagner. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens. On ne peut qu'imaginer. En tout cas, je suis déjà content d'avoir 9 personnes avec nous. À profiter de la musique. Tout en faisant rouler les billes pour voir à quel point on est chanceux ou pas ce soir. Et si vous avez envie de faire comme Denzi et ses copains, vous pouvez venir sur le Discord en vocal, on parle en direct. Tout le monde est le bienvenu. Rappelez-vous qu'on a une modératrice capable de vous mettre en mode silencieux si jamais vous déconnez. Que demander de plus en tant que streamer? Avoir une petite épouse qui vient apporter à boire quand on a soif, qui communique avec les autres dans le chat, qui laisse faire les lives quand son mari en a envie, c'est génial. Et en plus, elle fait modératrice, on a tout. Tu es marié vu que tu dis que tu as une épouse, félicitations, merci pour ça. Et oui, on est marié depuis pas mal d'années maintenant, ça commence à compter. Et Florence dit merci aussi d'ailleurs. Andé, la couleur violet sur le pseudo dans Marble, c'est pas les subs. Non, c'est les modos, je crois. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est Florence et Ténébreux, c'est les subs. Les modos. Les subs, ils sont en bleu clair. Comme Baxter. Et c'est pas moi qui choisis les couleurs. On est bien servi ici. On essaye. On fait son possible pour essayer de vous amuser, les gens. Baxter est passé devant, je sais pas comment il a fait. Allez, les plots, on s'abaisse. Du coup, Crouton, il se dit, bah, je prends la victoire alors, hein. Ciao, les gens. Et le blanc en premier. Ça fait longtemps. Comment? Ça fait longtemps que j'ai pas. Que t'as pas gagné? Ouais. L'aigle fou, deuxième. Itara, troisième, quatrième, Baxter. Wargill 5. On va aller voir Ténébreux où il est. Ah bah il se fait arrêter par les petits plots hein. Alors lequel des deux arrivera en premier? Ça a l'air d'être Sombre Ténébreux. Ouais pas. GG Crouton. Je laisse quelques secondes pour les votes si vous voulez voter. Moi je la trouve sympa. Donc c'est parti. En général moi je vote oui ou je vote pas. Mais je vote presque jamais non. Ou alors il faut vraiment que la map m'ait dégoûté profond. Alors là je dis non. Mais c'est rare. Je vous laisse encore quelques secondes pour le vote.
Ah bah Croton, il a décidé qu'il aimait pas du tout cette map. Il la gagne, mais il l'aime pas. Il a voté deux fois non. Non, non. Et c'est parti pour l'avant-dernière. Round Wobbly Trail. Toutes les maps qu'on fait pour le moment ont été créées expressément par la communauté du jeu. Donc ce ne sont pas des maps de base. Elles ont été créées par des gens qui ont payé de leur argent ou avec l'argent gagné par le streaming afin de vous faire des maps de ouf pour vous amuser toujours un petit peu plus. On a 8 billes pour nos spectateurs, il vous reste 40 secondes pour placer les billets excédentaires ou si vous arrivez dans ces dernières minutes. Oula! Ouh là là, il y a des emotes partout. Si Winnie est encore, si Ginny est encore là, elle va râler. Parce que ça lui fait mal aux yeux qu'elle a vu. Moi, je trouve ça sympa, moi, de voir plein de trucs qui volent. Ça veut dire que le chat est busy, que les gens s'amusent et ont envie de partager ce qu'ils ressentent. Attention, dans 3 secondes, Pourquoi ça se met fermeture. pas dans... Pourquoi ça se met pas sur... Pourquoi ça se met pas Sur quoi? le truc? Ça marche pas là. Si, si, ça marche. Faut le temps, copain. Il faut que l'ordinateur programme tout ça, Wow. hein? Eh ouais! C'est marrant comme les gens sont devenus impatients. À mon époque, j'avais besoin d'une heure pour faire jouer toute une cassette. Et à la fin, quand la cassette était lue entièrement, je pouvais enfin seulement commencer à jouer. Vous imaginez? Maintenant, ça prend 15 secondes et on les entend déjà. Bah, ça marche pas! Si! Faut juste un peu de temps! Mais bon. Avec le progrès, on s'attend à tout avoir de plus en plus vite. Ah, il est sympa, hein, cette map. Il n'y a personne qui veut les pistes du milieu. Donc on est tous J'ai sur les fait une map. côtés. Comment dis-tu? J'ai fait plein. Bah, t'es dedans, hein. T'es cinquième pour le moment. Allez, on va voir Ténébreux comment il se débrouille dans le labyrinthe. Perso, je préfère les carottes. Ah bah ben alors tu dois aller sur le live de Bujux ou alors sur le live de Kalash. Alors chez Bujux, c'est un lapin crétin, mais un lapin qu'on aime bien. Et chez Kalash, il y en a un qui s'appelle Poil de Carotte. Il aime bien les carottes aussi, je pense. Faudra lui dire. Je fais de la pub pour les autres, t'imagines? J'espère qu'ils font de la pub pour moi aussi, du coup. Alors, il y en a un qui a tapé ses deux chaussures les unes contre les autres, peut-être pour faire tomber la gadoue. Oh, désolé, un lag, mais je pouvais pas te laisser passer là. On va voir comment il se débrouille, notre ami Baxter. Ça fait longtemps qu'on l'entend pas là. Vorgil, troisième, GG. Si je te réponds pas, c'est pas que je suis méchant, hein, c'est que j'ai pas compris ce que t'as dit en gros. Ténébreux, quatrième. Je suis désolé, il me parle chaque fois que je parle, donc ça va pas le faire. Et Baxter n'est pas dernier, c'est Nao qui ferme la marche. Et bim, Itara gagnant. Ah ouais, ça marche bien ça, au lieu de dire Itara gagnant a gagné, on peut dire Itara gagnant. Ça marche aussi, j'aime bien. Oh, ce vote de victoire, Itara. Eh ouais, vol de victoire. Ça m'arrive souvent ça. Je vous laisse voter si vous voulez. Sombre Ténébreux a voté yes discrètement parmi plein d'icônes. Encore quelques secondes après c'est foutu, hein. Et je vais voter aussi. Et quand j'aurai voté, je ferai continuer. Tchac! Voilà. Deux votes au moins pour le copain qui a fait sa map, c'est déjà ça. Il y a Ginny qui a dit, je file, bonne soirée et à bientôt. À bientôt Ginny, merci d'être passé, c'est très gentil. Alors les amis, vous êtes prêts pour la dernière map de ce Grand Prix? Tara, Oui. tu veux acheter la PS5? Non. C'est trop cher pour quelqu'un pour moi. Comme moi. Trop cher. Non, non, moi je suis sur mon PC et j'ai une Xbox One que j'ai eu en mode refurbished. Donc ça m'a pas coûté cher.
Mais il faut garder les yeux en face des trous, hein. Je peux pas acheter tout ce qui existe, sinon je serais vite ruiné. L'aigle fou, tu pues. Mais Ginny, tu peux pas dire ça. D'abord, il pue pas. Par contre, ce qui serait bien, si quelqu'un a la carte qui pue, de la jouer maintenant. Oui, la carte qui pue, c'est... tu fais point d'exclamation loot, LOOT. Et dans ma collection de cartes, il y en a une qui pue. Et quand on la fait jouer, ça fait un énorme prout en plein milieu du live. Eh ouais. Alors, on est 7 billes. Il vous reste 30 secondes pour ajouter vos dernières billes. Et merci Nao pour regarder. C'est sympa. Crouton aussi d'ailleurs a été voir. C'est cool. Ah bah tiens, Baxter nous salue tous. Ça, c'est une des cartes possibles. Meilleure salutation à toi, Baxter. Ça veut dire quoi? Where are you from? Écris-le plutôt. Comme ça, je pourrais essayer de deviner. Parce que c'est chaud là. Il y a la musique qui va assez fort dans mes oreilles. Et je sais pas la régler. Puisque c'est lié avec le Discord, donc. T'as une voix assez aiguë et pas très forte, comme si t'étais un peu timide. Et du coup, j'ai du mal à te comprendre. Donc, n'hésite pas à parler plus fort et je te comprendrai mieux. C'est lui, le Baxter, qui nous a fait un petit coucou. Avec sa carte loot. Where are you from? Ça veut dire d'où viens-tu? De quel endroit? Donc français, belge, Turquie, URSS, la planète Mars. Il n'y a que toi qui sais répondre à ça. Et J'habite à Mars. c'est pas moi qui pose la question, hein, c'est Streamloots. Eh, comme quoi, ça aide, hein? Ah non, j'allais dire une bêtise. Du coup, c'est Sombre Ténébreux qui prend la tête. Il va arriver sur le disque disco. Oui, le disque disco, parce qu'il y a des disques qui sont pas disco, mais là, ça, c'est un disque disco. Voilà. Un petit looping avant le jump. Ah non, d'abord les peignes. Les peignes, c'est bien, parce que ça freine les gens, et après, on sait jamais qui va gagner, du coup. C'est quoi ta carte qui pue? C'est marqué en grand, la carte qui pue. Et oh! Sombre Ténébreux, t'as failli te faire voler la place par Wargill, mais tu es premier, Lac troisième, Wargill deuxième, Baxter quatrième. Ouh, Sombre Ténébreux s'est carrément fait éjecter après avoir gagné, heureusement ça compte pas. Bah si t'as fait play, lol, j'ai pas compris. Je vois pas ta carte. Je montrerai après le live si tu veux. On peut faire voter maintenant. Et on dit bonjour à Phoenix qui nous rejoint. Alors Baxter, il apprécie ce stream. Décidément, c'est tous des commentaires gentils, ça, merci. Les votes arrivent. Et Phoenix, bienvenue à bord de notre communauté, hein. Un programme caritatif, si tu ne le sais pas, comme ça tu sais pour la prochaine fois. Florence et Itara ont tous les deux fait un plus 4 dans leur énergie. Les autres ont encore besoin de une pour certains, deux courses pour les autres. Nao, elle en a encore besoin de trois. Alors, dans cette fin de... Salut, l'aigle fou, merci d'être resté, à très bientôt. Qui est dans notre top 3? Sombre Ténébreux, troisième. Itara, deuxième. Et l'aigle fou, juste avant de partir, il remporte quand même la victoire. GG lag. Alors on est 10 spectateurs, ça fera donc 6 maps encore. Nouveau Grand Prix à 6 maps. On va choisir les community maps parce qu'elles ont bien le droit d'être mises à l'honneur. On y est. Je regarde s'il y a des gens qui m'ont communiqué des trucs. Non, c'est bon. Et encore bonne nuit à toi et courage pour demain matin, lag. Parce qu'il se lève tôt, le monsieur. Très tôt. Et c'est maintenant qu'on fait play. Point d'exclamation play.
1, 2, 3 pour ceux qui veulent. Et pour les subs, ils peuvent choisir en plus 4, 5, 6, 7. Hein. Si vous faites point d'exclamation play tout court, c'est votre loadout qui est choisi. Le loadout, c'est quoi? C'est la bille que vous avez vous-même choisie dans votre application iPhone ou Android. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billes pour 10 spectateurs. 8, on est arrivé à 8. À partir de maintenant, il vous reste une trentaine de secondes pour choisir de nous rejoindre. Pour les petits nouveaux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, n'hésitez pas dans le chat à me dire d'où vous venez et comment vous nous avez trouvés. Est-ce que c'est via une publicité d'un copain qui a fait un partage sur un réseau social, pardon? Est-ce sur Hive? Est-ce à partir du stream d'un autre? Racontez-moi comment vous avez trouvé notre programme caritatif. Ça m'aidera à mieux comprendre comment ça fonctionne. Oui? Non? On s'est déjà vu avant, non? Ah, ok. Aujourd'hui. Et tu nous as trouvé comment, dis-moi? Ben, en fait, je m'ennuie un petit peu trop. Ouais. J'ai fait parcourir et après j'ai fait nombre de spectateurs. Et... D'accord. Et on est popé comme ça en plein milieu de l'écran et tu dis je vais peut-être rester un peu avec lui pour voir ce qu'il vaut. Et puis du coup, tu nous lâches plus, c'est cool. Ça veut dire qu'on n'est pas dégueu, hein? Moi, c'est Baxter, je viens de France et j'ai été découvert par un raid, du coup, je suis resté. Sympa. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Kalash a fait une fois un raid chez moi, à 2-3 viewers, et du coup, vous êtes resté collé. Maintenant, je me souviens, ouais. Bonjour, je suis le ténébreux, je suis ton fils, donc voilà. Ah ouais. Wargill, je t'ai trouvé dans la catégorie Marble en France. Je suis en français plutôt parce que je suis belge. Et ben voilà. Ben merci de me raconter tout ça. Moi, je cherchais du Marble FR. Bienvenue à bord. On voit rien. On va aller sur ceux de devant. Aïe, une map avec des téléportations. On sait jamais si ça finit vraiment ces maps-là. On va voir, hein. Il va nous TP où? Ok. On a déjà 3 gagnants. Je vais essayer de... Ouais, c'est ici la victoire, en fait. C'est original, hein, comme arrivée. Donc, il fait un truc, là. Avec des canons qui tirent des cailloux. Original. Moi, je vais pas voter ni oui ni non. Je vous laisse voter si vous avez aimé aussi bof. En tant que streamer, j'ai presque envie de dire bof parce qu'il y avait beaucoup de zones noires où j'arrivais pas à vous suivre. Mais j'aime pas voter non, donc je reste neutre. Il y en a un qui a aimé, c'est Phoenix. Phoenix. Sombre a pas trop aimé. Ça nous fait quelques votes déjà. On va passer à la deuxième course. Alors regardez pas le current challenge en bas, hein. On n'y arrivera pas aujourd'hui parce qu'à minuit on arrête. On est là juste pour s'amuser. Et c'est parti pour la deuxième course qui est Luminous of Light. Alors la dernière fois que j'ai fait Marbles, il y en a un qui a dit « Je voudrais surtout pas t'insulter, mais t'as une voix de prof. » Alors déjà, c'est pas une insulte. C'est un joli métier. Et c'est vrai que j'ai une voix plutôt calme. Donc je le prends pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elsa la blonde est revenue. Salutations Elsa. Sombre ténébreux, Pluton et Nao est toujours là. Ça fait 8 sur 11. Attention, roulement de tambour. Il reste 30 secondes pour placer vos billes à partir de maintenant. Puisque les 10 dernières secondes ne comptent pas, les inscriptions seront clôturées. Phoenix qui se rajoute. 9 billes. Ben, ça fait plaisir. Merci pour ce comeback. Ça a l'air très sombre comme... comme map. Oui, c'est dangereux ces temps-ci d'être prof.
Il y en a qui disent faut pas perdre la tête, mais il y en a qui la perdent. Tout ça à cause de personnages qui sont pas foutus de respecter la liberté des autres. C'est dommage. Alors montre-nous un peu ta carte, là, Nao. Hier, ils ont dit que la... Comment ? Un professeur qui a été décapité. Oui, oui, oui. Parce que certains se donnent le droit de dire « Notre religion, c'est la meilleure et vous, vous avez qu'à vous taire. » Au lieu de simplement dire « Chacun pense comme il veut et fait ce qu'il veut tant qu'il respecte la liberté des autres. » C'est tellement plus simple. Mais bon. Alors là, il y a tout le monde qui est coincé par les petits cubes. Donc tout le monde se regroupe. C'est comme si c'était un nouveau point de départ, en fait. Mais Nao s'en fait pas compter. Il garde sa tête. Si on regarde bien, tout est dangereux. On est d'accord. Ah, c'était toi, Virgil. Ok. Y a pas de souci. Pas que tu le prennes mal, c'est pas pour dire que prof c'est pas un bon métier, on est d'accord. On est d'accord. Et là où t'as aussi raison, c'est qu'à peu près tout est dangereux maintenant. Hein. Quand tu penses qu'il y a parfois des vieilles personnes, on sonne à leur porte, salut, on vient contrôler votre gaz. Et en fait, c'est pas du tout des gens du gaz, ils sont juste là pour vider le portefeuille de la vieille personne. C'est pas très. Pas très sympathique, mais bon! Hop là, encore un téléporteur. Ouh là là. Je sais pas si vous comprenez quoi que ce soit à cette map, mais elle est d'une violence rare. C'est l'arrivée en fait ici. Hein. Et c'est Florence qui gagne avec la tête de... C'est standard damage, hein, ça avec la BPLUR. Oui, c'est complètement psychédélique, on est d'accord, Elsa. Celui qui a fait cette map, à mon avis, il n'avait pas fumé que du tabac. Alors, Ténébreux, t'as beau être mon fils, mais apparemment, on parle pas la même langue. C'est quoi, ça se beule? Prenez pas ce mot. Et si c'est une insanité, tu me la traduis pas, c'est encore mieux. Ah, bordel, ouais, ça va, ça encore. Donc, il n'y a personne qui vote, vous avez bien raison. Ne pas voter non, c'est pour pas être méchant. Et voter oui, il faut d'abord le mériter. Alors on est parti pour la troisième map, Florence avait fini premier, Nao, oh là, t'avais dépassé Naoko, juste avant la fin. Phoenix était troisième, c'est parti. Pensez, pour ceux qui connaissent pas encore le jeu, à bien regarder la colonne bonus. Hein. Avant que vous décidiez d'arrêter à quelque moment que ce soit, regardez toujours que vous avez récupéré votre énergie. Comme ça, si vous avez envie de jouer chez un autre streamer après, eh bien vous avez encore plein d'énergie. C'est à partir de maintenant qu'on peut taper play. Si vous l'avez fait juste avant, refaites-le parce que ça n'aura pas compté. Hein. Je vous montre les inscrits. Itara, Florence, Nao, les autres peuvent refaire play maintenant. Faut toujours attendre en fait que l'image soit en plein écran avec la présentation de la nouvelle map en fait. Si vous le faites avant, ça compte pas. Et alors nous sommes à 8, 8 sur 10, il vous reste 30 secondes pour rejoindre la game. Tiens, les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils connaissent Streamloots ou pas? Parce que si vous connaissez pas, je pourrais, par exemple, demander à ma femme de mettre, je sais pas, 5 packs en cadeau pour que vous découvriez ce que c'est. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien rester au moins jusqu'au moment où tu reçois tes 4 points d'énergie. Hein. Flo, tu sais mettre, allez, on va dire 10 packs. Tu veux bien? Ma petite femme va vous préparer 10 packs. Chacun, vous pourrez cliquer une fois. Hein. Il y en a qui ont essayé de cliquer deux fois, mais ça marche pas, faut pas déconner non plus. Hein.
et vous recevrez des cartes. C'est un pack de 3 cartes. Et sur le lien que que vous pouvez voir en tapant point d'exclamation loot. Et ça vous permet d'entrer en interaction avec le streamer en fait, en jouant les cartes. Alors il y a des cartes qui rapportent des sous, il y a des cartes qui sont juste là pour déconner. Il y a de tout. Et il y a notamment la carte qui pue, qui a fait rire notre ami. Sombre ténébreux, est-ce que t'aurais par hasard encore une victoire? Attention parce qu'il y a Phoenix et Crouton qui vont te la bouffer. Ah! Oh, Elsa! C'est bon. GG! C'est bon, pas, on a les packs. J'ai pas compris ta question, hein? On a les packs ou pas? C'est pas encore affiché, donc il faut encore un peu attendre. Je ne peux plus aujourd'hui, max coupon atteint. Ah, bah ça sera pour demain alors. Je suppose que c'est pour éviter que les streamers. Soit trop généreux, c'est pour inciter les gens à acheter des packs. Mais si vous revenez sur mon prochain live, je referai des packs, promis. Je laisse toujours ici à peu près 30-40 secondes, comme ça si jamais vous avez envie de voter, vous pouvez. Et en tout cas, GG à notre gagnant de cette map, Crouton ST. Pas de vote? Non, je le tape une fois. En entier, c'est vote espace yes, comme ça. Mais le vote yes en un mot semble fonctionner aussi, comme démontré par Phoenix. Crouton n'a pas aimé, Wargil a aimé. En fait, j'ai mis ça, mais j'ai pas vu la map. Ah bah alors tu votes pas négatif, sinon c'est pas sympa pour celui qui s'est cassé le derrière à faire la map. Nao vient de reprendre ses points. Et on passe à la map numéro 4 sur 6. Twisted Outrage Stream. Alors. VV underscore I underscore Baxter says laissez-moi gagner, allez s'il vous plaît, merci, M. Ah, laissez-moi gagner, s'il vous plaît, merci. Mais c'était prononcé avec un nom avec un accent anglophone, donc ça donnait pas super. Je suis un peu perdu. Il m'a surpris avec la carte, j'avoue. Sept. Ah, ben, si vous voulez faire plaisir à Baxter, il voudrait que tout le monde tape un grand F dans le chat. Voilà, c'est fait. Vous pouvez le faire tous ensemble, ça lui fera plaisir. On veut des F partout, FFF, voilà. Et je lance le chrono. Tu vois, Baxter, ça c'est le genre de carte où quand on est une centaine, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais à 4-5, c'est vrai que ça fait un peu court, hein. FFFFFF. Alors, il y a une private joke là derrière, évidemment, mais j'avoue que je la connais pas. Et merci d'avoir participé à tout le monde. Il reste 13 secondes, donc fermeture des inscriptions. Ils sont où les 100? Bah ils ont atterri sur une planète, ils pensaient qu'ils étaient seuls. Phoenix nous suit, merci pour le follow, grand. Ils pensaient qu'ils étaient seuls et puis ils se sont fait attaquer par des sauvages qui avaient survécu en fait. Ça c'est pour ceux qui ont vu la série 200. Alors je sais pas du tout où est le départ. C'est une map un peu bizarre. On arrive où? On arrive là. C'est Elsa qui a pris la tête, apparemment. Wargil a repris la tête aussi. Mon Dieu, elle est toute bizarre, cette map, hein. Voilà, et... Ah, voilà, Elsa a trouvé la sortie, apparemment. Ouh là là, c'est très difficile à suivre les billes sur cette map. Alors, c'est une map qui tue, apparemment, puisque Florence, elle est finie. Je pense que tout le monde a écouté Baxter parce que je pense bien qu'il est en premier là. Oh là 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 là, c'est très difficile à suivre cette map. Hein. Qui c'est qui est premier? Apparemment ce serait Sombre Ténébreux. Oh là là. Alors ouais, c'est original de faire des maps hyper complexes. Mais après il faut encore réussir. Hein.
C'est un setup gaming. Je vais essayer de voir, mais. Ah ouais. Elle a de la gueule. Il faut l'avouer, elle a de la gueule. Donc c'est un siège qui regarde un clavier. Et le mec, il a le droit à regarder un baffle droit devant son nez. Avec une avec le micro à côté. Ah ouais, c'est magnifique. C'est vraiment bien fait. Mais pour réussir à suivre les... Pour réussir à suivre les billes, c'est un cauchemar par contre. Mais je salue l'effort. Oui, le challenge des F, ça peut être super sympa pour battre le record des 25 et avoir de nouvelles icônes. Sombre Ténébreux qui non seulement avait compris la map, mais en plus, il est premier. Deuxième Itara, troisième, on sait pas encore. On va aller voir Elsa. Si, maintenant elle est rentrée dedans. On pourra essayer. T'en as une? Oui, ok. Alors Florence annonce que jeudi dans le stream anglophone, elle va claquer la carte F pour voir si on va réussir à les faire réagir. C'est une lampe, pas un baffle. T'as déjà vu cette map quelque part ou quoi, Virgile? Alors Phoenix est encore en course. Il passe au niveau du clavier. Il casse un truc. Il attend son tour. Hop. Et il est dans le panier. GG à tout le monde. Sombre Ténébreux, victorieux. Alors, je vais voter yes. Parce que le mec, il a dû avoir un mal de dingue pour dessiner cette map. Parce que j'ai déjà fait une map à moi. Et je sais à quel point l'éditeur est compliqué. Donc j'ai voté yes parce que chapeau pour le dessin qu'il a fait. Mais pour le streamer, c'est un cauchemar pour suivre les billes. J'ai le hockey, je bois un peu. Voilà, et Naos qui fait sauter les icônes dans tous les sens. Et on peut continuer pour l'avant-dernière course de ce Grand Prix. On va encore pouvoir jouer une heure pour information, pour ceux que ça intéresse. Ouais, t'as raté ton icône, hein, Virgile. Donc après ce Grand Prix-là, on restera encore une petite heure de stream. Je dis ça pour les grinders, hein, comme ça ils savent choisir s'ils restent ou s'ils vont ailleurs. Et alors ils partiront au bon moment pour que leur bonus soit compté, évidemment. Hein. Alors, on a à peu près tout le monde en course. On est 8 spectateurs et 7 billes. Donc j'appuie sur démarrer, il vous reste 30 secondes. Raconte-moi ce que tu disais. C'était peut-être pas à moi, peut-être que son papa est venu lui dire « Écoute mon grand, à 11h il est l'heure d'aller faire dodo. » Tout est possible. Et si vous venez à venir en vocal, vous connaissez le truc, hein. Vous cliquez sur Discord en dessous de la vidéo. Vous rejoignez le salon vocal et vous pouvez parler avec nous. On a notre modératrice qui vous tiendra juste un tout petit peu à l'œil. Comme ça, si vous racontez des trucs qu'on peut pas raconter au micro, zip it! On fait un mute. C'est le seul filtre qu'on a. Et c'est parti. Et c'est là qu'après le live, il y a ma petite femme qui va venir me trouver. C'est bien beau de dire que je vais mute, mais je sais pas comment on fait. Alors c'est facile, tu cliques droit sur le pseudo et tu fais rendre muet sur le serveur. Et après, c'est moi qui gérerai si je rends la parole à la personne ou pas. Oh là là, encore une map difficile à suivre. Alors, Sombre Ténébreux, vas-tu mourir? Ou vas-tu arriver? Bah ouais, tu vas y arriver, c'est bien. Salut Matt, et bienvenue à bord. On a encore une heure de Grand Prix, si ça t'intéresse. Histoire de faire monter dans les classements... Ce que ça tente, hein, évidemment. Et ceux qui veulent interagir dans le chat, vous pouvez taper point d'exclamation commande sans E, donc en version anglaise, c'est O-M-M-A-N-D.
pour voir les différentes possibilités d'interagir avec nous ou pour vous renseigner sur la raison d'être du live d'Itara Gaïan. Parce que si on vient chez Ita, c'est pas pour voir un dieu du jeu. Non, c'est pour la bonne cause. Alors, Florence et Ténébreux qui se disputent l'arrivée, qui aura lieu au fond du... Ah, c'est une arrivée originale, hein. Il a utilisé le vortex. Et c'est Florence qui fait la première place, suivie de très près par le Ténébreux. J'aime bien sa fin, elle est originale. Alors, on va aller voir la carte de Fenrix, une fois. Phoenix. Je sais pas pourquoi je mets un R en plus. Crouton 3ème, Itara Gaïan 4ème, Nao. Non. 5ème Baxter. 6ème Phoenix. 7ème Nao. Et Florence Boons qui remporte la victoire sur cette map. GG. Alors, EQ, si vous comprenez pas ce que c'est, vous me le dites. Parce que tout le monde ne connaît pas le monde des cryptos. Le vendredi soir, je fais une émission exclusivement dédicacée aux cryptos. Alors oui, on joue, c'est vrai qu'on joue. Mais toute personne qui pose des questions sur les cryptos pendant la durée de ce live-là, je lui répondrai en long, en large et en travers afin de vous aider à mieux connaître cet univers. Parce que d'après moi, les cryptos, c'est ce qui va remplacer l'argent bientôt. Il faut juste que suffisamment de personnes apprennent à les utiliser. Et on pourra dire douce zut aux grands méchants de la finance et reprendre notre position de force. Rollercoin, c'est un jeu qui fonctionne sur les cryptos aussi, qui permet de gagner des BTC, des Doge et des éthers. C'est un genre de faussette. Mais si vous connaissez pas le monde des cryptos, vous n'allez pas vraiment tout à fait tout comprendre. Encore une fois, je vous invite le vendredi pour vous poser des questions. Ou à n'importe quel moment sur le Discord, en DM ou dans les canaux de discussion. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans la crypto, là. Je pense que je commence à connaître assez pour vous expliquer. Et j'aime bien expliquer des choses, donc c'est pas un problème. Dans 3 secondes, on ferme les inscriptions. J'ai miné pendant un moment, Matt, avec un Antminer. Mais en Europe, c'est pas rentable. On paye plus d'électricité que ce qu'on touche comme crypto. Donc moi, je me suis inscrit sur Hive, qui, au lieu de miner, en fait, tu dois juste tenir un blog. Et chaque fois que tu reçois des votes, c'est comme si tu minais, en fait. Et ça fait 3 ans que je suis dessus, pratiquement 3 ans que je suis dessus, et elle paye bien, elle est sympa. Donc si tu fais point d'exclamation Hive, tu vas pouvoir voir la crypto dont je parle, H-I-V-E. Et en plus c'est une communauté assez sympa, enfin il y a de tout, il y a des ringards et des gentils, mais les gentils se réunissent et on arrive à parler ensemble, c'est assez sympa. Ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre qui connaît les cryptos. D'ailleurs, tu pourras me trouver là-dessus sur pigdi.com/@itaragaïan. C'est là que je tiens mon blog. Et pour le live, c'est IGNET. Donc pigdi.com/IGNET. En fait, il a repris le concept du dojo, celui-là. Il a fait sa version à lui, on va voir comment ça se débrouille à l'intérieur. Donc c'est plein de téléporteurs, j'aime pas les téléporteurs, je vous le dis tout net. Parce qu'après on est tout perdu, on n'arrive pas à suivre. Phoenix essaye de garder sa première place. Passe pas par le milieu parce que ça a l'air chaud là. Ça pourrait fort bien être un laser éliminatoire et pas juste décoratif. Tout le monde l'a évité jusqu'à présent, tant mieux. Mais il y en a encore un de ces vilains lasers. Méfiez-vous. Première place pour Phoenix. On va regarder les autres arriver à leur aise. Moi, j'aurai des questions sur KDN Live, mais on verra ça plus tard.
Sans problème, en DM, je préférerais. Et alors, on s'arrange sur une date et une heure. Et je passe en vocal avec toi. Tu me partages ton écran et je te montre tout ce que tu veux pour que tu maîtrises KDN Live. Ça marche? Et GG Phoenix pour sa première victoire chez nous. Du coup, quand il ira chez un autre streamer et qu'on verra sa carte, on verra dernière victoire chez Itara Gaillon. Merci pour ça. Elsa, elle adore le petit carrousel, alors elle se dit j'en profite un maximum, elle a bien raison. Elle a encore 1 minute 14 pour joindre l'arrivée. Et elle se dit qu'elle prend son temps. Elle descend les escaliers. Il manque que le tapis rouge. Et voilà Elsa qui finit la course. Avec plaisir, Baxter. Oui? Tu vas aller dormir. dormir. Eh bien, je te souhaite une excellente nuit. J'espère que tu t'es amusé avec nous. Merci d'être resté avec nous. Et j'espère à bientôt. Mais si tu attends encore 3 secondes, tu verras qui a gagné. Alors, la troisième place de ce Grand Prix est attribuée à Crouton. Tu vois, tu as bien fait. Maintenant, tu sais que tu es troisième. Deuxième, Sombre Ténébreux. Et premier, Florence Boone. C'est quand même dingue, là. Les deux premiers, c'est deux modos. Ça va pas, ça. Faut laisser gagner les autres, hein, les copains. Allez, on est reparti pour un nouveau Grand Prix. Mais cette fois-ci, sur les maps standards, je vais prendre cette map cette fois-ci. Je vais te laisser, ça va. Bonne nuit, dors bien. Et merci d'être resté. Essaye de pas te faire engueuler, par contre, hein. Voilà, random, pouf, random, 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 random. Je bug, non, je bug pas, je me répète. Je vais me coucher pour laisser une chance aux autres. Parfait, il faut un X à U et il faut un S à autre. Je peux me permettre de corriger son orthographe, c'est mon fils, voilà. Et le winner gagne un BTC. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Ça voudra dire que le programme caritatif aura réussi son but et aura attiré assez de monde que pour avoir des sponsors du feu de Dieu. Je te jure que ça me ferait super plaisir, Matt. Ouais, ça me ferait super plaisir. Donc, si vous voulez que ça arrive un jour, vous n'hésitez pas. Vous partagez le lien Twitch TV slash Itaragaillant sur vos réseaux sociaux en disant c'est un Twitch caritatif, les gens. Venez en masse, le mec il veut pas essayer de s'enrichir, il veut pas faire des milliers d'euros pour sa pomme, non, il veut amener des sous pour les gens qui en ont besoin. Et ça c'est important. Salut Wiki, bienvenue parmi nous. Bonne nuit à tout le monde. Et bonne nuit à toi, et à très bientôt j'espère. Il vous reste 15 secondes pour rejoindre. Ouah, c'est le vrai Wikipédia? La chance qu'on a! Il doit être à 8 000 et demi, mais non, je crois, le BTC. Mais tout est possible, hein. Il y a des gens qui gagnent plus de 50 000 balles par mois sur Twitch. Alors, c'est pas du tout mon but, hein. Moi, mon but, c'est de, un, m'amuser moi, de vous divertir, de vous faire rire. Et les profits qu'on fait sont envoyés à des gens qui en ont besoin. Voilà. Ah oui, il a méchamment baissé ces dernières semaines. Alors, il y en a. Oh, le Morlaix, là aussi. Salutations, le Morlaix, bienvenue. Oula, Baxter qui a pris la tête. Sans rien dire, discrètement, là. Et Sombre Ténébreux qui dit qu'il va dormir, mais. Et Ninja Game, comme on dit, hein. C'est quoi un Ninja Game, hein? C'est jouer discrètement pendant que les parents croient qu'on dort. Alors, c'est amusant, ouais, c'est excitant aussi, parce qu'il y a le goût du risque. Mais si jamais papa ou maman l'apprennent, aïe aïe aïe, attention les fesses. Je pense pas que c'est le Covid qui l'a fait baisser. Il me semble qu'il y a eu une hausse du prix de l'or. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui ont vendu du BTC pour s'assurer une vie meilleure en prenant de l'or.
Parce que si jamais la société se casse la gueule, qu'est-ce qui casse la gueule en premier lieu? C'est l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, ton bitcoin n'y vaut plus rien. Tandis que ton lingot d'or, il sera toujours là. Donc dès qu'il y a des peurs ou des risques de crash, ils foncent, mais ils foncent vraiment sur l'or. Alors Baxter qui regarde sombre ténébreux droit dans les yeux, osera-t-il passer avant moi? Faites pas gaffe à Rubilo, hein, c'est juste le champion de cette course sur notre stream. Mais c'est Wiki, à peine arrivé, qui se dit, moi, je vais aller leur piquer la victoire, tu vas voir. Oh, vous avez vu ce qu'il nous fait l'autre avec sa main? C'est pas super sympa, nous faire un doigt d'honneur, dis donc. Non mais. Ah bah, rien que pour ça. Clac! Empêcher son ténébreux. Et on dit bravo à Wiki parce qu'apparemment c'est sa toute première course dans le jeu. Je sais pas du tout d'où tu nous as trouvé Wiki, mais bienvenue. Alors si tu veux, t'es pas obligé parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop parler. Mais si tu as envie de nous dire comment tu nous as connus, bah, tu n'hésites pas, hein. Bientôt les 4,5 millions sur Z-Event. Ouais, mais moi je participe pas à ça. Ah non, 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 non. Pour moi, ça c'est du faux caritatif, tu vois. Mais bon, les vrais caritatifs, ils font ça toute l'année, pas juste une fois pour attirer tous les viewers du monde. J'appelle ça surtout un gros coup de pub. Ouais, t'as pris un t-shirt. Et tu l'as pris chez qui? Chez Zéro lui-même? Parce que Zéro, il a fait une petite bêtise, tu vois. Il a dit qu'il, quand je l'ai regardé, il était à 750 000 en tout. Et il a dit qu'il faisait le stream pour Amnesty International. Et quelques secondes après, il a dit avec l'argent qu'il gagnerait, il irait nettoyer une plage. On m'explique? Amnesty International, les droits de l'homme. Une plage nettoyée, écolo. Il pouvait pas choisir écolo plutôt que qu'Amnesty ou alors dépenser l'argent pour Amnesty? Je sais pas. Moi, je me suis encouru quand j'ai entendu ça. Allez, on passe à la map numéro 2, Speedrun. Oui, je sais que c'est annuel, je sais. Tant mieux pour eux. Moi, je fais ça toute l'année, puis c'est tout. Non, Virgile, quand on annonce à Amnesty International qu'on fait une soirée pour eux, on donne tout l'argent là-bas. Comme quand on fait les Restos du Cœur, on donne tout l'argent aux Restos du Cœur. On prend pas la moitié pour faire autre chose. Non, 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 ça marche pas comme ça, les caritatifs. Mais bon, si ça sert pour la bonne cause, tant mieux pour eux. Il vous reste 10 secondes pour rejoindre. Ça dépend. Je sais pas si les enfoirés c'est du faux ou pas. Il faut voir si l'argent est vraiment distribué au Resto du Cœur. Mais si la moitié des Restos du Cœur est envoyée pour nettoyer les plages du Limbourg, par exemple, ça va pas aller des masses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on annonce une association, on envoie tout dans l'association. Parce que du coup, il y a des gens qui donnent parce qu'ils aiment bien cette association-là. Et ils sont peut-être pas écolos du tout, ces gens-là. Ils ont peut-être rien à foutre qu'on nettoie la plage. Après, je dis ça. C'est pas pour critiquer, hein. Je trouve juste que c'est bizarre. Parce qu'Amnesty International, ça n'a absolument rien d'écolo. C'est la liberté des droits de l'homme. Il y a des gens qui sont prisonniers, qu'avec un peu d'argent, on pourrait libérer. Il y a des messages importants qu'on pourrait faire passer dans certains pays pour qu'on respecte le droit des femmes. Tu vois ce que je veux dire? La plage, c'est hors sujet. Et puis, il a assez de succès que pour le restant de l'année, faire des dons pour nettoyer les plages, s'il veut. Maintenant, j'ai rien de personnel contre lui, hein. Je trouve juste que c'est une erreur de communication qu'il a fait, c'est tout. Mais j'ai pas envie de me faire flamer par tout le monde non plus, hein. Chacun son opinion. Alors, Wiki est presque occupé à battre le record de Rubilo. Baxter le suit de près. Nao aussi, mais sur l'autre piste.
Tiens, je suis curieux, le Z-Event, est-ce qu'il passe dans les médias? Est-ce que les médias disent, voilà, Z-Event a offert tant de millions à l'association ou pas? Parce que quand on parle de plusieurs millions d'euros, moi je trouve qu'ils ont tout à fait le droit de passer dans les médias, hein. Oula, Wiki, premier. Baxter. Non, si. Baxter, deuxième. Nao, deuxième. Troisième. Le Morlaix ou Florence, on va voir. On va aller voir le Morlaix. Tiens, je connais pas ta carte encore. Un chat psychédélique. Pas encore de victoire. Eh ben, je te souhaite une victoire chez nous. L'année dernière, Macron a félicité l'événement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça apporte une crédibilité en plus. Ça, c'est très très bien. Chapeau. Next map. Ce sera Pixel Portal. Allez, aïe aïe aïe, ça va être encore plein de portales dans tous les sens. Millions pour la Fondation Pasteur. GG. Vraiment GG. Hé! J'ai oublié de me mettre! Et je me demande si j'ai pas oublié de me mettre à la précédente aussi. Ce serait quand même bien que je gagne des points aussi, hein. Allez, 40 secondes. Wiki vient de s'insérer dans la zone. 20 secondes avant la fermeture des inscriptions. Voilà, c'est ce que je dis, hein. Regardez ce que dit Streamlabs. Pour réussir sur Twitch, il faut une communauté. Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à parler de nous sur les réseaux. Merci à vous. Twitter, Facebook, Instagram, etc. Moi, je m'occupe de parler de nous sur Facebook, sur Twitter et sur Hive. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vous rappelle que la musique, c'est tout un tas d'anglophones qui font de la musique sur SoundCloud, et ils m'ont donné les droits de partager la musique en live. Comme ça, vous écoutez, et si vous aimez bien, ben, vous allez faire un tour sur SoundCloud, et vous pouvez récupérer les morceaux. Si vous voulez connaître le nom de ceux qui chantent, il faut rejoindre le jeu qui s'appelle Rising Star, un jeu où on apprend à devenir une vedette. Florence qui prend la tête. Avec l'event de l'année dernière, ils ont eu droit à deux records du monde pour l'event, le plus de fonds récoltés sur Twitch et le plus de dons à la seconde. GG. Bah. Peut-être que je peux participer aussi, hein, les prochaines années. Virgile, si t'es encore là, je t'en nomme responsable de me prévenir à temps. Et alors, j'essaierai de prendre contact avec eux pour voir s'ils veulent de moi ou pas. Enfin, s'ils veulent de Belges, hein, parce que moi, je suis pas français, hein, les amis, je suis belge. Je sais pas si ça compte ou pas, si c'est international ou pas. Ça marche. J'ai juste acheté un t-shirt l'année dernière aussi. Bah c'est bien. Le Morlaix qui prend la tête. Comme ça on verra mieux. Qui se pointera dans le basket de victoire. Il y a déjà 4 éliminés, hein. C'est une tueuse cette map. International, ok. 30 euros, d'accord. C'est honnête, hein, dans les prix. Regardez comment il a dépassé tout le monde, Matt. Est-ce que j'ai dit bonjour à Matt? Salutations, Matt. Bienvenue à bord. Bah non, je parle avec toi depuis tout le temps. C'est parce que je vois ton pseudo en blanc à l'écran et en rouge sur Twitter. Donc j'ai... Sur Twitch, pardon. Du coup, j'ai mélangé dans mon cerveau. Matt, premier. Nao, deuxième.
Le Morlaix qui rage sur les cubes qui veulent pas s'effacer. L'Andiju, saleté de cube, foutait le camp. Voilà. Le Morlaix, troisième. Florence profite que le Morlaix a tout nettoyé. Oh, sympa ton tabis. Spoo. Ah, mais très sympa, tabis. J'aime bien. On est parti pour la quatrième. Temple of Steve, le temple de Steve. C'est un dev du jeu, d'accord. Eh ben moi, c'est les devs du jeu qui m'ont permis d'avoir les petites ailes d'ange quand ils ont appris que je faisais du caritatif. Toute l'année. Ça, je vais l'insister encore une paire de fois, quoi. Alors, on est 6 billes sur 8 joueurs. Le Morlaix, Wiki, Baxter, Matt, Florence et Itara. Qui c'est qui manque? Qui que ce soit qui manque, il lui reste 30 secondes pour nous rejoindre. Eh ben, sombre ténébreux, il n'arrive pas à s'endormir. Hein. Comment il va se faire engueuler par sa mère demain matin quand il va pas savoir se lever? Oh oh. Ça va la musique? Elle vous plaît? Et notre ami Baxter, il danse sur sa chaise? Bah, il les a peut-être gagnés dans les concours, hein, dans les Community Day par exemple. Hein. Là pour le moment, c'est les billes noires entourées de couleurs un peu fluo. Ah bah tiens, on va regarder un peu la Bilitara. Voilà, tu vois les petites ailes d'ange? C'est parce qu'elles font du caritatif, ils sont gentils. Hein. Bon, j'ai payé pour, mais comme elle n'était pas dans le menu, j'avais acheté un chapeau. Et puis je les ai contactés en disant, hein, pour du caritatif, franchement le chapeau c'est pas top. Si je pouvais ressembler à un petit ange, ce serait sympa. Ouais, normalement on fait pas ça. Mais, allez ouais, on va te le faire. Voilà, et c'était fait. En moins de 20 minutes, ils avaient réglé le truc. Ouais, c'est 200 coins, mais il faut réussir à les acheter quand elles apparaissent, tu vois. Et le chapeau, c'était 100 coins. Donc, j'avais encore des points, je dis ok, c'est bon. Mais c'est sympa de les avoir mis, quoi. Parce que je sais pas la prochaine fois qu'elles apparaîtront encore, donc... Et il faut pas me laisser gagner, hein. Je suis pas là pour gagner, moi. Ce jeu a déjà 2 ans. Waouh, ça fait à peine un mois que je le connais, moi. Et c'est par hasard, en plus. J'ai pris le fantôme avec les coins du pack Halloween. Moi, j'ai mis le pack Halloween aussi. Parce que je savais pas qu'il fallait, en plus, mettre des trails à l'arrivée, au départ, des trucs comme ça. Mais maintenant, comme tu peux voir, ma carte est complète. Je suis content. Il faut pas me laisser gagner, les gens. Allez, dépassez-moi. Alors, qui qu'on n'a pas encore vu? Wiki, on a vu. Matt, on a vu. Le Morlaix, je suis pas sûr qu'on l'a déjà vu. Ça, c'est pas le Morlaix. Si, on l'a vu avec le petit chat. Ben, on a vu tout le monde hein, qui est dans les parties pour le moment. Et Naoko Sings, qui aime bien les mangas, apparemment. Attention, hein, j'ai presque gagné. J'avais encore un petit peu de temps pour me rattraper parce que je sais pas trop quel trou je vais prendre là. Oh oh oh, j'ai choisi mon trou mais c'était pas le bon. Alors, ténébreux, Baxter a pris la victoire. GG. Salutations, Mr. Brown. Bah, elle en tue pas mal, hein, cette map, mine de rien. Et notre vainqueur est Monsieur Baxter. J'avoue que je n'ai pas vu cet animé là.
Allez, c'est parti pour la cinquième map, les gens. Bim! Hop, 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 c'est pas bon ça. Si, je crois que ça compte. Ouais. En fait, n'importe quel truc du moment qui a marqué point d'exclamation play dedans, ça fonctionne. Rien à installer hein, pour jouer les gens. Si vous voulez, vous faites simplement point d'exclamation play et tu peux jouer avec nous, Mister. Il y en a plein qui ont commencé récemment, notamment moi. On est à 8 billes, 7 spectateurs, c'est bon. Il vous reste 30 secondes pour rejoindre la team. On fera probablement encore un grand prix après, ce qui nous amènera aux alentours de minuit. Et ça sera alors la fin. Hein. Ça fait déjà 2h30 qu'on stream quand même, ça passe vite hein, quand on s'amuse. Nouvel écuyer, merci Mr. Brown de nous suivre, bienvenue sur notre programme caritatif. Si tu as des questions, tu tapes point d'exclamation commande, tu regardes si ça répond à ta question. Dans tous les autres cas, n'hésite pas à poser des questions et moi ou les modérateurs te répondront avec plaisir. On va afficher les noms, ça sera plus simple. Tout le monde fonce vers le centre. Pour la gigue. Et c'est parti. Qui c'est qui franchira la ligne en premier? Enfin, qui c'est qui rentrera dans le gouffre en premier? Ah bah ça va. Il y a déjà Matt qui a pris la tête. Oh, il est malade, Matt. Regardez tous les gros boutons qu'il a sur la tête. Alors, on se tient, mais là, on se divise. Voilà, deux groupes. Mais on va très vite se rejoindre dans le petit panier, là. Il n'y a pas compris, c'est Luffy, c'est pas ce que ça veut dire. En fait, parfois, il définit pas bien le gagnant quand il y a des trucs qui font des allers-retours sur place. Parce qu'il prend toujours comme celui qui est en tête, celui qui est le plus près de la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, elle est là-bas au bout, là, dans le panier jaune. Donc, si à un moment donné, tu es plus près en distance vol d'oiseau que celui qui est vraiment premier dans la course, il va croire que tu es premier, en fait. D'accord ? One Piece quand il est jeune. Ça s'entend à la voix hein, quand je comprends pas. Oh, Mr. Brown, il s'est fait kicker dehors, dis donc. Éjecte de la piste. Ah ouais, il y a des pistes comme ça qui tuent. Hein. Ça fait mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des courses après. Et là, je dis chapeau, parce que ce sont des Anglais qui chantent, et là, on entend bien que c'est en français, hein. L'accent a coupé au couteau, hein. Alors, le dernier mixeur. Du coup, le Morlaix, il a réussi et il nous fait une deuxième victoire. Il me semble qu'il a déjà gagné hein, aujourd'hui. Deuxième Matt, troisième Baxter. Florence a été éliminée aussi. Wiki nous fait la quatrième place. Itara. On regarde le ténébreux. Qui est passé comme un chef. Et fini en sixième place. GG tout le monde. Photo de profil pour Marble. Ça pas bien. Attention Wiki. Ah, ça passe pas bien. Alors, on a un vote négatif de la part de Mr. Brown. Il a probablement pas du tout aimé de se faire éjecter. Mais comme c'est une map qui n'est pas communautaire, on peut pas voter. Je suis désolé. Mais je comprends ta rage et je la partage. Et quand je dis qu'on peut pas voter, qu'est-ce qu'il fait, sombre ténébreux? Il vote. Ah ouais, c'est comme ça.
Allez, sixième carte, Portal Purgatory. Le purgatoire des portails. J'espère que c'est pas la carte que je crois. Parce que la dernière fois qu'on l'a joué, celle-là, on a dû skip parce qu'elle tournait en boucle et on n'a jamais été victorieux. Jamais de victoire. Ah, tu la connais aussi, Matt. C'est des portails dans tous les sens et on sait jamais qui gagne, hein, c'est ça. Hein. Alors, si tu connais un truc pour bannir une carte, pour être sûr que je la joue plus jamais, comme tu connais bien le jeu, tu n'hésites pas. Parce qu'alors, Portal Purgatory, je la banne de ma chaîne. Il vous reste 30 secondes. GG, Mr. Brown qui dit qu'il connaît le jeu que d'aujourd'hui. Mais, il a quand même déjà bien amélioré sa bille avec une mise en entrée et tout. Il a mis des petits sous dans le jeu, je pense. Et si ça l'amuse, c'est ses sous, c'est sa vie. Ah là, c'est le nouveau Lundy qu'on entend avec sa guitare un peu funky. On le reconnaît assez vite. Non? Pourtant, t'as eu une arrivée en fanfare. Je vais aller voir. T'es où? Premier. Ah, on voit rien sur ta carte. Last message, je sais. C'était pas toi qui avais le truc qui entourait ta bille à l'arrivée? J'ai peut-être mal vu, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bim. Alors, je propose qu'on la laisse 5 minutes. Si on a un gagnant comme Baxter là... Non, éliminé. Au revoir Baxter. A plus tard, copain. C'est peut-être pas la map que je pensais. Si ce truc-là me renvoie dans les 100 mètres, en fait, la seule possibilité de gagner à cette map, en fait, hein, c'est que les picots vous tapent aux fesses pour que vous soyez projeté dans... Un peu comme ça, tu vois? Mais il faut arriver dans le basket. Sinon, t'es mort. Pour cette map, tu peux dézoomer... Et regardez de loin, ouais. Comme ça, hein. Comme ça, on voit tout le monde qui essaye de rentrer. Je cherche un bon point de vue. Voilà. Et voyez les petits points rouges, là. En fait, ils doivent vous taper au niveau de la bille, comme ça. Comme ça, vous rebondissez et vous devez avoir la chance d'atterrir dans le panier. Si vous atterrissez à côté du panier, vous êtes mort. Et si vous allez jusqu'au portail, vous recommencez la série de portails du début. Et c'est comme ça non-stop. On a déjà passé une fois 10 minutes hein, avant qu'il y ait quelqu'un qui ait gagné. Donc je dis 5 minutes, d'accord? Si à 5 minutes on n'a pas encore de gagnant, on zappe. Ah, Matt a tenté sa chance, mais au revoir Matt. On n'aura peut-être pas besoin de 5 minutes, hein. On va peut-être tous se faire tuer en fait. Hein. Une qui change un peu, c'est la map Buckshot avec la cible. Ouais, j'aime bien aussi celle-là. La cible en bois, hein. Je l'aime bien. Alors les gens, faites-vous taper par les petits trucs blancs. Ah, Morley. Éliminé, Mr. Brown éliminé, Wiki éliminé, il reste que Ténébreux et Wiki, même pas, il reste que Ténébreux. C'est la 56, ça n'a pas bougé. J'irai voir. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas skip, hein. Allez, fais-toi taper, hein, cette fois-ci. Oui! Et... Oh! Presque! Zéro victoire! Désolé. Une map qui a servi à rien. Florence, tu sais noter sur un papier Portal Purgatory. Je vais essayer de trouver un moyen de ne plus jamais la voir, celle-là. Mr. Brown, il a bien aimé la map quand même, hein?
Allez, on est go pour la dernière du Grand Prix avec Pixels Raceway. Celle-là, j'aime beaucoup par contre. Si c'est celle qui ressemble à un circuit de course comme on voit là, non, c'est pas celle-là. Pas grave. Alors, le prochain Grand Prix, je vais le faire à 8 maps exprès. Comme ça, vous pouvez faire vos calculs pour finir avec le plus 4 énergie. Ça va? Parce que ça sera la dernière série de race pour aujourd'hui. Pas celle-ci, hein. Celle qui arrive après. Alors, j'ai dit la dernière série. Évidemment, Siri s'est réveillée. Plus que 20 secondes pour votre, votre bille. A tout de suite, Mr. Brown. Alors déjà, je tenais déjà à dire merci à ceux qui ont fait un petit follow là. Parce que je sais pas si vous le savez, mais chez nous, quand il y a un follow, un sub, un don, quoi que ce soit, n'importe quoi, eh ben on fait un export vers YouTube. Donc on aura un export pour cette carte, pour cette session live. Ah oui, c'est celle-là avec les pneus, on l'a déjà fait tantôt. Et c'est Kalash qui détient le record de vitesse. Allez Baxter, essaye de battre Kalash là. On va voir Ténébreux. Alors Matt il connaît, hein, il fait tomber les pneus pour embêter les autres. Vicky il connaît aussi, il se fait pas avoir par les pneus. Ah oh, ben merci Fiston pour l'abonnement. C'est quoi? Attends, pourquoi il marque pas le nombre de mois d'affilée? Ah si, 8 mois consécutifs. Merci grand. Follow ma vue sur cette map. Voilà. Je follow ta vue sur cette map. Pourquoi tu l'as demandé? Pour le follow, c'est ça? Pour le sub? Allez, ouais. Mais bon, c'est pas passionnant quand on se fait attraper par un pneu. Heureusement, les pneus, ils finissent par disparaître. Voilà. Ouais, mais si vous me demandez tout le monde, je sais pas le faire. Attends. 4. On va aller voir un peu le 4. Toi aussi, t'es dans les pneus, grand. En fait, c'est dès que vous êtes dans les pneus, vous me demandez de faire un follow de la bille. Restez à tous les deux, là. Quand vous avez demandé tous les deux le follow. Je remets sur sombre, comme ça, on vous voit tous les deux, ça va? T'inquiète, il va te rattraper, là. Merci. Mr. Brown et Sombre Ténébreux, toujours. On a Wiki qui est en première place, Itara 2e, Baxter 3e, Florence 4e, Matt 5e. Sombre Ténébreux qui a dépassé Mr. Brown. Parce que Mr. Brown s'est fait coincer par les pneus. Mais il fait mieux que Monley. On a même une petite musique. Je te dis, c'est comme s'il avait amélioré sa bille. Donc GG à lui. Surtout s'il a trouvé le moyen de l'avoir gratos. Alors, on est parti pour les résultats. Qui sera troisième? Avec une musique un peu plus techno, là, déjà. Matt. Baxter, deuxième. Ok, bonne nuit, fiston. Et essaye de rester discret pour pas te faire engueuler par ta mère. Parce qu'elle va sinon encore te piquer le clavier pour une semaine ou deux. Hein. Voilà. GG au gagnant Wiki, tout à fait. Alors, on fait le dernier Grand Prix du jour. D'accord? Je fais 8 maps, pas pour que ça dure plus longtemps, mais pour être précis avec les gens qui ont leur énergie. C'est-à-dire que si vous êtes pile au gain d'énergie maintenant, vous avez l'occasion de faire l'entièreté du circuit. D'accord? Alors, on va faire tout du random. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Entre chaque map, n'hésitez pas à regarder votre niveau d'énergie. Hein. Ça a été fait en random, Mister. Tout est bon. Vous pouvez entrer maintenant avec les plays. On a déjà 7 billes pour 7 spectateurs, ça me paraît correct. Donc je lance le compte à rebours. Il vous reste 30 secondes pour rentrer si vous arrivez un peu plus tard que les autres. Et Baxter est toujours avec nous, hein, depuis le début. Quasi. Gigi. Florence, depuis le début. Itara, lui, je sais pas ce qu'il fait. Mais chaque fois que je suis en live, il est toujours là. Merci, Itara. Hein? Comment? C'est moi? Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Pipatapatapatoum, c'est parti, mon kiki. Allez, donne-moi le droit de suivre. Voilà. Baxter, il se dit que il ferait bien la victoire. Ouh là là, ça fait presque peur ce truc qui tourne. Comment on va se faire... Ah bah ça va, on rentre pas dedans. Alors on regarde un peu en arrière aussi pour voir comment les autres se ramènent. Coucou Baxter, t'es un long, c'est ce que dit Mr. Brown. Sauf que Baxter, il connaît le lièvre et la tortue, tu vois. Il pourra bien te manger un peu plus tard. Surtout que de l'autre côté, ah non, c'est parce qu'il y a le mélange avec les pistes, tu vois. Même pour le streamer, c'est pas toujours évident de savoir qui est premier. Le Morlaix, il est où le Morlaix? Dans une rue de Montmartre. Dans une rue de Montmartre. Quand les Anglais veulent chanter français, hein, c'est rigolo. Un beau groupe de 4 billes là. Presque dans le trou, ça t'aurait fait prendre une avance certaine. Mais tu gardes ta première place, ça va. Il y a Baxter, il hésite, il va, il vient. Et hop là, tu t'en sors encore premier. Attention, ça sent le canon, voilà. Et bim, Gigi. Je suis pas fou, hein. Mr. Brown, il a bien une arrivée et un départ, hein. On entend sa bille qui fait du bruit. Premier Mister, deuxième Baxter, troisième Itara, quatrième Florence, cinquième Morlaix, Matt, sixième. Et Wiki qui dit regarde ma bille, s'il te plaît. Voilà, on y est. Oui, je confirme, hein. D'accord. T'as fait comment si t'as pas dépensé de sous ou de points? Je suis intéressé. Je pourrais peut-être passer le truc aux autres joueurs s'ils veulent avoir la même chose. Vous pouvez voter hein, sur ces cartes, mais je vais rester qu'une trentaine de secondes pour vous laisser le temps de voter, mais pour pas perdre trop de temps non plus, parce qu'il reste 14 minutes. Ça va? Bright Colorful Brigade. Le créateur du jeu, les vendredis soirs, font des grands prix, et j'ai gagné des pièces. Parfait. Bravo à toi. Alors, c'est Ben de Boss Jackson, Bright Colorful Brigade. J'ai oublié d'appuyer sur Start. On n'est que 5, donc j'attends encore un peu. Ouais, ouais, je sais. J'ai aussi gagné des coins et tout. Chez eux. La bille jaune qui sourit en haut à droite, je l'ai gagnée chez eux. Non. La bille noire en bas à gauche. La Death Yellow. C'est comme ça que je l'ai gagné. C'est avec un concours chez eux. Oui, j'ai une fois gagné 200 coins. Et le skin que je te disais là, hein, le numéro 3 que tu vois à l'écran.
L'habit noir avec les contours jaunes. Elle s'appelle Dev Yellow. Par contre, les dollars, ça, j'en ai jamais gagné. Mais je veux bien en gagner, hein. Je suis pas contre. Ils seront partagés avec la communauté, bien sûr. Florence et Matt, Florence en premier. C'est vrai que c'est colorful. C'est plein de couleurs, donc. C'est pas mal original. Apparemment, il y a des morceaux de map qui servent à rien, mais qui sont là pour faire joli. Il y a pas mal de lasers colorés là-bas au bout. On a des accélérateurs aussi. Il a dû passer un sacré bout de temps à faire sa map, hein, le garçon. On va continuer sur Matt. Avec un trait électrique en plus, GG. Un super manga avec des super musiques à Samurai Champion et Cowboy Bebop. Excusez-moi pour la toux. Alors, qui va passer la machine à loterie en premier? Ça sera Matt, hein. Il va faire toute la course en premier, on dirait. J'ai fait un tournoi avec 1000$ à win en tout, distribué entre les 15 premiers en 20 courses avec 1000 billes sur chaque map. Je suis arrivé 21e, pas de bol. Mais je suppose qu'il y avait l'excitement de la game, hein, qui a fait que c'était sympa quand même. Premier Matt, deuxième Mr. Brown, troisième Baxter. GG Matt. Je vous laisse quelques secondes pour voter pour celui qui s'intéresse. Oui, la Covid, ça n'a pas que des inconvénients, certes, mais il y a quand même un paquet d'inconvénients. On s'en passerait bien, moi je dis, hein, de la Covid. Le problème, c'est que c'est loin d'être fini, même si les gens pensent que... Ils auront des fêtes de Noël. Moi, je peux déjà annoncer qu'on les aura pas comme avant, les fêtes de Noël. J'en suis persuadé. Et puis après Covid, il y en aura d'autres. Parce que comme on a poussé la nature sur ces derniers retranchements, il y aura encore des nouveaux microbes tout bizarres qui vont nous saluer. Je le crains, faudra s'habituer à vivre avec. Pas mal ton départ, Wiki. Ou Matt, plutôt. Il y en a plusieurs des départs différents, hein. Allez, on a nos 6 billes, on appuie sur Start, il reste 30 secondes. Le Morlaix nous rejoint. J'affiche les noms. J'ai déjà vu un départ différent des autres chez Itara, chez Matt et chez Mr. Brown. Si vous avez des départs à vous, n'hésitez pas à me le dire. Je peux essayer d'un peu cibler votre bille. Et c'est parti dans 8 secondes. Mr. Brown, il s'est dit j'ai gagné une fois, on va essayer de regagner encore et pourquoi pas remporter le dernier Grand Prix, pourquoi pas. Attention les cubes, hein, ils sont là pour vous freiner. Qui va s'en sortir en premier? Faites gaffe aux petits trucs rouges, hein. Ça fait rebondir apparemment. Baxter s'en est mangé un, il est tout derrière. Je crois qu'il y avait marqué Twitch. TWITCH, ça fait Twitch.
Alors il a compris, Mister, il se dit, je vais rien casser, je vais laisser les autres le faire à ma place. Et moi, je vais aller prendre l'ascenseur. Pareil pour Flo. Ouh là là, ouh là là. Il a gagné, hein, Mister. On a la tête à l'envers ici, en fait. Alors j'ai essayé de faire une vue aérienne, voilà. Quand vous arrivez au-dessus, vous faites téléporter dans le cône à l'envers. Puis on arrive en Australie, puisque on recommence une vie à l'envers, hein, en gros. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais ils ont inversé la gravité à partir des trois derniers éléments de la course. Alors Wiki se fait TP et prend la troisième place. Matt, quatrième place. Itara, cinquième. On va aller voir Baxter et Morlaix. Allez, Baxter, montre-moi comment tu gagnes ça. Un milliard. C'est vraiment pas facile à suivre. On va essayer de suivre le Morlaix jusqu'à la fin. Hein. Mais c'est une course qui n'élimine personne, apparemment. Hein. C'est juste un concours d'obstacles pour celui qui combat les cubes le mieux. Prends garde, hein, par contre, parce que si le mur bleu vient te rattraper, c'est fini. Ça va être chaud. Accélère, accélère, accélère. C'est bon. Tu vas. Ah, il y a l'ascenseur qui va peut-être te mettre dedans. Non, c'est bon. Voilà, aucun mort. Et Mr. Brown qui nous prend la victoire. GG, monsieur. Je vous laisse quelques secondes pour ceux qui veulent voter. Moi, je choisis de rester neutre. Même si le fait d'inverser la gravité, c'était original. Et on a eu un vote. Ça fera plaisir à monsieur Xasmita. Ou madame Xasmita. C'est parti. On fait un petit clin d'œil sur les bonus. Mr. Brown, je sais pas si t'es grinder ou pas. Tu pourras faire jusqu'à l'avant-dernière map. Et les autres, on sera encore temps de voir à ce moment-là. Vous avez fait un petit clin d'œil, un petit check-up sur vos bonus. L'as pour toi, Matt. Matt, Matt, Matt. Ouais, ça tient la route, ça marche. D'avance, une bonne soirée. On part sur le Path of the Desert, le chemin du désert. Et on a nos 7 billes pour 6 spectateurs. Ça veut dire qu'il y en a un qui fait du grinding ailleurs, il a bien raison. Ça lui permet de jouer à plusieurs pistes différentes, à condition bien sûr de réussir à manager les timers comme il faut. Je vais sur Apex. Bonne nuit à tous. Bye bye. Eh ben, bon amusement et je te souhaite un max de top 1. Et merci de nous avoir rejoints. Ah, c'est peut-être Wiki qui nous fait le multigame en fait, hein. Il arrive tout juste avant la fin du timer. GG. Et à bientôt peut-être. À plus. Et là, c'est toujours là le malheur, tu vois. C'est quand on a décidé que c'était l'heure d'arrêter, que tout d'un coup on a un raid avec 4000 personnes. Là, je vous assure que j'arrête pas tout de suite, hein. Ah non, ça. Au grand malheur de mon épouse qui voudra aller au lit, mais non, non, non. Un raid à 4000, moi je reste, hein. C'est tellement rare ce genre d'événement qu'on serait bien idiot de le rater et de le gaspiller. Alors, je vais cibler Mr. Brown. Ah non, c'est Florence, tiens, pas grave. J'ai dit Mr. Brown, voilà. Pour voir s'il y a quelqu'un qui risque de passer dans ce portail-là ou pas. Non, hein, il est juste décoratif, hein, je pense. Encore une fin à la façon disco. Je pourrais croire qu'on l'a déjà faite, mais en fait, elle ressemble à une qu'on a déjà faite, puisqu'on n'a pas le fantôme.
Ça pourrait être Black Eyed Butterfly là qu'on entend. Ou alors Turtle Project, un des deux. Oula Florence, comment tu vas lui piquer la place? GG Flo! Ah d'accord, les accélérateurs vous expulsent de l'arrivée une fois que vous y êtes. Itara 3ème, 4ème wiki. Le Morlaix prend la 5ème mais se fait dégager. Kachang! Donc c'est Florence le winner. GG! Saloupio! Ouais! C'est pas sympa hein, ce qu'il a fait là. On a un voteur qui vient de voter pour DJ Simian. Et on démarre sur la 5ème course. Donc Baxter, Matt, Itara, si vous êtes des grinders, c'est maintenant que vous arrêtez. Et si vous êtes des players, des gamers, vous pouvez rester avec nous, évidemment. On est parti pour Big Timeless Tower, vous pouvez faire play maintenant. Flo, vaut mieux retaper. Tu l'as fait un peu trop tôt, ouais. Quatre billes, 6 spectateurs. Attention, il vous reste 40 secondes, ou 30 même. Mets le Y, Mr. Brown, sinon tu vas le rater. T'as mis plat au lieu de play. Point d'exclamation, play 3. T'auras une meilleure chance de participer dans ces cas-là. J'espère qu'il m'entend. Oui, voilà, parfait. Alors, je sais pas voir l'arrivée parce qu'il a pas fait bien le setup de sa map. Et donc, les billes sont ici en bas. Et donc, on les voit pas arriver. Désolé. Dès que je peux, je les regarde. Voilà. Alors, comment ils vont s'en sortir dans le vortex? Alors, quand il y a plein de billes, je peux vous assurer que ça s'entrechoque dans tous les sens. Et qu'il y en a parfois en dernière place qui passent tout devant. En faisant une ligne droite en fait. Hein. Mais ici au moins on profite de la gigue infernale. Hein. Baxter est parti. Il se prend une chute vertigineuse. Vers un autre vortex. Mais c'était sans compter qu'il trouve le trou directement. Ouh! J'ai toujours dit que ma femme roulait trop vite. Ah ouais. Un peu simple la map, je trouve. Tais-toi, Ita, t'as pas fait mieux. T'as pas tort. T'as pas tort. Alors, est-ce que Florence va réussir à garder sa première place? On va voir. Baxter qui passe le premier petit trou. Ah, Ita est passé devant, mais s'est fait balayer. Et c'est Baxter qui reprend sa place. Avec la bille PLUR. Hein. Et une victoire, une première place pour Baxter. Florence deuxième, Wiki troisième. Ita 4, Mister 5, et c'est Standard Damage hein, qui fait la première place avec Baxter. GG. Cette fois-ci, c'est Mister Brand qui a complété son bonus et Wiki. À vous de voir si vous voulez continuer ou pas, vous êtes les bienvenus, mais au moins comme ça vous récupérez votre énergie. C'est parti pour la sixième course. Speed Reaching Abyss. On peut faire play.
3 billes pour le moment. 4, 5, 6 d'un coup. 6 sur 5 players. C'est la limite. On fait donc start. Il vous reste 30 secondes pour nous rejoindre. Les chatouilles aux mains, ça se voit. Hein. Je suis comme ça tout le temps occupé avec. L'inscription est terminée à partir de maintenant. On montre le nom. Et on descend en bas de ce qui ressemble pour moi, à mes yeux en tout cas, à une presse à café version française. On met le café et puis on met un bâton et puis on appuie. Et en bas, on a le café qui sort. Moi, je trouve que ça fait penser à ça. Mais bon, on l'a déjà vu sur d'autres maps. Hein. J'ai l'esprit un peu tordu. Et j'imagine des choses que je suis le seul à imaginer, en fait. Hein. Alors, qui va sortir en premier ? Mister et Morley, suivi de Vicky. Ça fait des petites notes là. Et ça rebondit sévère. Attention, ça peut faire des éliminations si on rebondit mal. Florence a réussi à passer. Baxter prend la tête. Ah ouh, c'est déjà la fin. Donc on va voir qui c'est qui va passer. J'essaye de faire au mieux pour le zoom. Voilà. Baxter, Wiki, Morley, Ita, Mister et Florence. GG tout le monde. Je laisse le temps à Brown s'il veut voter. Parce que, apparemment, il aime bien faire ça. Mais apparemment, il a décidé de rester neutre. Ah non, il a voté pour. C'est parti pour l'avant-dernière. Cette fois-ci, c'est Mr. Brown qui a fini... Non, j'ai rien dit, c'est du chat. Il n'y a que le Morley qui a fini son plus 4. Libre à lui de continuer sa soirée avec nous ou chez les autres. On recommence avec Little Cute Happenstance. Squeak. Oh, on a entendu ma bille à moi là. Celle de Wiki. On sait pas les voir. Désolé. Hein. T'imagines Flo, 15 secondes avant la fin, le gros méga raid. Tu m'en voudras pas si je reste, si c'est le cas. C'est cool. De toute façon, à mon avis, il faut encore quelques mois avant que ça arrive. Ça ne fait que 11 mois qu'on stream. Faut pas pousser. Non, dis-moi, dis-moi. Allez hop là, il reste plus que 30 secondes. Avant la clôture de cette map. Pour ceux qui regardent la petite caméra là, coucou! Vous me verrez remuer beaucoup plus souvent sur de la techno et de la house que sur les autres types de musique. C'est effectivement le genre de musique que moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Cinq, quatre, trois, deux, un, et c'est parti. Et montre-moi les billes. Oula. Have fun, merci. C'est gentil ça. Alors ça, ça va casser les... Oh, il y a... Ah, d'accord, il y avait un petit frein pour qu'on n'aille pas casser son F-Fun. Lui qui prend la tête. J'ai l'impression qu'elle va être vite finie. Ah, bah oui, elle prend même pas une minute. Hein, les grinders vont pas aimer cette map.
parce que les maps qui prennent moins d'une minute à être finies ne comptent pas dans les tiers. Bah, ça tombe qu'on va réussir à la faire durer un petit peu plus qu'une minute. Hein. Hey, tout le monde debout sur sa chaise et on danse. Moi, je peux pas parce qu'elle bouge beaucoup ma chaise. Si je me mets debout dessus, je tombe et je suis mort. Oh, le joli petit cœur pour la fin. En combien de temps on l'a fait? Une minute tout juste. Donc, je ne sais pas si elle compte pour les tiers, mais au moins, elle a le mérite d'être sympa. Regardez mes petites étincelles. Clash. Et voilà, ça c'est Baxter en dernier lieu, parce qu'il est occupé à danser sur sa chaise. Désolé, hein. On a eu le vote rituel. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Parce que là, ça va être la der des der pour ce soir. Intricate shaking. J'ai pas vu le dernier bout. Et là, si Florence écoute la musique, elle peut considérer que c'est un message que je lui envoie tout personnel. Dupidu, 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 dupidu. 5 billes, 6 viewers. Attention, roulement de tambour, il reste 30 secondes avant la fin des inscriptions. Si vous n'y êtes pas encore, coco. Moi, j'arrête pour garder mon énergie. Genre, elle joue que quand je joue, et donc sur la nuit, elle peut recharger largement cette énergie. Mais c'est son droit. Ok, Flo. Si tu changes d'avis, il te reste 13 secondes. Ça marche que pour les grinders, hein, chérie. C'est pour ça que je le préviens si jamais on a un grinder avec. Mais pour les gens comme nous, ça change pas grand chose puisque une heure ou deux sans jouer et poum poum poum. Ah, c'est pour faire la lessive. Bah, si t'attends un peu, je viens t'aider après le live en fait. Hein. Allez, on affiche les billes. Oh là là, il n'y a pas Florence sur la piste, ça fait tout drôle. Oula, le Morlaix il a dit le tourniquet, je le fais pas, je passe à travers. Merci à ceux qui regardent l'instant pub. Hein. Accélération. On est tous très serrés. Je regarde un peu la map. Apparemment, elle tue pas. Il n'y a pas beaucoup de... Je suis même pas sûr qu'elle compte pour les tirs non plus. Parce que je pense que tout le monde l'aura fini avant la minute. Hein. Et largement même. C'est le problème des randoms, hein, ça. Parce que sinon, je regarde pour être sûr qu'elle prenne au moins une minute. Et attention, là, c'est Morlaix, suivi de Wiki, Itara, Mr. Brown et Baxter. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse quelques secondes pour voter. Voilà, on passe en sans musique pour le moment. Je laisse voter notre ami. Voilà, on montre les grands prix pour voir qui a gagné. Qui sera troisième? Ça fait drôle hein, quand il n'y a pas la musique. Mais si je le fais pas maintenant, après, il y a plein de sons qui vont exploser vos tympans et ça serait pas sympa pour vous. Troisième, Baxter, merci à lui d'avoir participé. Wiki, deuxième, un grand merci à toi aussi. Et Mr. Brown qui remporte son GP GG. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors moi ce que je vous propose évidemment, c'est de rester connecté, histoire de voir si demain il n'y aurait pas un live surprise, même si normalement je suis censé faire encore des caisses pour mon déménagement. Mais comme je vous dis, je suis sous attaque virale, donc j'ai très vite mal au dos, donc je fais des pauses et à ce moment-là je fais un live. Sinon, on se retrouve sans faute mardi après-midi pour le Fortnite, mercredi au soir, je crois, pour le... Je bug. Le Marbles. Le jeudi, c'est pour les Anglais.
Et le vendredi, c'est les cryptos. Voilà, comme ça vous connaissez mon programme. Ah bah c'est un casque assez cheap, dont la corde, regarde, c'est une merde la corde, je sais pas si tu vois, mais attends, c'est pas facile, là, elle est toute déchirée, donc elle est sur le point de mourir. Mais j'en ai un autre déjà prêt à l'emploi, double clavier, double souris, comme ça je suis sûr que s'il y en a un qui meurt, ben j'ai toujours pour me le remplacer. Ah là, voilà. Donc je crois que j'ai fini de tout dire. Donc, encore un tout grand merci à ceux qui nous ont suivis. À demain pour le live surprise, qu'on ne sait pas quand il aura lieu, ni sur quel jeu. Et comme j'ai dit, hein, mardi Fortnite, mercredi Marbles, jeudi en anglais, et vendredi, c'est pour les cryptos. Un petit raid au pire, oui, pourquoi pas, on est combien? On est 5. C'est une très bonne idée, le raid. Alors, je vais voir. Qui c'est qui est en ligne? Eh ben, on va chez Standard Damage. Moi, je propose qu'on peut aller sur Standard Damage. Alors, restez avec nous, les amis, c'est fort sympa. Et on va commencer un raid. Raid Channel. Standard Damage. Start Raid. À bientôt, tout le monde. Ciao, tout le monde. À bientôt. Il reste 8 secondes et on partira dans le raid.